tradition oblige, hein. Etienne. On va laisser Ayark, alias Token, commencer son résumé. Octet, pas Token. Octet. Oui. Comment comme ça, il va évoluer en méga Octet. Je me fais blême, on ne se souvient pas de mon pseudo. On te confond avec NJ, quoi. C'est ça. Ok, il faut juste me donner le départ, c'était quoi? Bah, on a, c'était avant qu'on parte au bateau, en fait. Quoi. C'est ça. Ouais. J'avais fait qu'un seul endroit pendant la scène, pour le dernier scénario. C'est l'endroit. Okay. Mais quel endroit c'était? Alors là, je vais faire de mon mieux, surtout sur les noms. Les noms, ça va être chaud. Alors, on a commencé. On avait décidé donc d'aller à l'épave, qui est le repère des apocalyptiques. Ouais, donc on était, on voulait aller dans le repère des apos puisqu'on soupçonnait, enfin, on savait normalement de sources à peu près sûres que c'était que la fille qu'on cherchait, donc Léane, était avec Angel. Un membre du gang des Cavaliers de la Poussière, qui est donc une nuée, enfin, donc une nuée donc apocalyptique, qui a pris récemment, enfin assez récemment en tout cas, le contrôle de l'épave. Oui. Donc on s'y. Attendez, du coup j'ai perdu. Oui, donc on a décidé d'aller dans le repère. Pour ça, on s'est plus ou moins. Enfin, c'est pas forcément grimé, mais on a décidé de tous y aller, on a essayé de pas se faire passer pour ce qu'on est, quoi. En gros. L'ambiance, enfin, ça faisait quand on arrivait, on a compris tout de suite que l'endroit était d'un autre niveau que celui d'Arme, c'est-à-dire que c'était quand même un autre standing quand même. Il y avait du personnel pour bien surveiller l'entrée, c'était plus ou moins, on va dire, bien surveillé et bien fourni aussi en termes de population. Donc là, on sentait que c'était quand même un endroit de débauche. Il y avait un peu tous les plaisirs, coupables ou non, qu'on puisse trouver, on va dire, en ce bas monde à cette époque. J'en trouverais toujours d'autres. Ouais, voilà. Et donc, n'écoutant que mon talent d'infiltrateur, on va dire, je me suis fondu dans la masse, donc j'ai consommé comme il se doit. Comme tous ici, à peu près, sauf Karl, je crois. Et je ne tiens pas l'alcool. Ça, on l'a découvert récemment, je ne tiens pas du tout l'alcool, ce qui fait que je me suis fait aborder, j'ai commencé à rechercher Angel, mais les types qui ont voulu me montrer Angel, c'était pas vraiment Angel. Je suis intervenu, hein. Heureusement, Karl est intervenu, il a rigolé sur la taille de certaines choses, et puis, sur les maladies, oui. Et puis, de son côté, il y a des gens qui ont fait le vrai travail de recherche, la personne d'Octavio et Lily, et qui ont fini par dénicher à l'aide d'une autre apo qui était dans le coin. Je me souviens plus de son nom, mais c'est pas Garnet. Grave. Voilà. Et qui a dit qu'effectivement, il y avait moyen de trouver Angel, mais Angel il était effectivement dans la cale. Donc il a fallu qu'on descende, pour ça il a fallu qu'on monte patte blanche, donc on donne nos armes. Donc le marteau d'Octavio s'est pas passé, hein, forcément. Il a dû le déposer. On a aussi découvert qu'il y avait beaucoup de juges qui s'adonnaient, voilà, et de. Pour autant beaucoup, de. Tout est relatif, hein. D'hospitaliers aussi. Surtout d'hospitaliers d'ailleurs. Je crois que c'était la majorité. Je crois que 80% de la population de l'épave, c'était d'hospitaliers. En fait, on est passé sur une visite médicale, en fait. Une inspection. Ouais, c'était inspection. Voilà. Je pense que les juges présents, c'était des infiltrés, en fait, qui venaient en. Bien évidemment. En repérage. Infiltrés qu'on l'air tout de suite. Donc on a réussi quand même à descendre, une fois qu'on est arrivé dans cette cave qui en fait est une sorte de grosse, comment on pourrait appeler ça, partie quoi en gros, on va dire ça comme ça. Alors entre les jeux d'argent, les jeux de... Voilà, il y a vraiment, il y avait de tout, donc il y avait des combats organisés, il y avait un peu de tout, il y avait des lieux de plaisir, on va dire plus sexuels, il y avait des lieux de plaisir plus liés au jeu. Oui. Et beaucoup de boissons qui circulaient, et tout ça dans une sorte de grand amas, avec aussi en surplomb des gens qui avaient qui pouvaient observer depuis des loges. On ne sait pas trop ce qui se passait dedans, puisqu'elles étaient toutes fermées. Et a priori, il y avait deux étages, c'était un peu le gros bordel, donc c'était difficile de s'entendre. Il y avait de la musique effectivement à haute volée. Il y avait du bacon vivant. Et au volume, il y avait du bacon vivant. Et on s'est demandé donc alors comment on va faire pour retrouver Léane, puisque Scarlett, une fois qu'elle nous a guidé ici, elle s'est carapatée. Et avant qu'on ait le temps de trouver une idée, on a été abordé par une petite vieille qui visiblement connaissait Lily,
a priori, enfin, en tout cas, elle l'a interpellée, si elle la connaissait, n'écoutant que notre bêtise, on fonçait pour voir ce qu'elle nous voulait. Elle était entourée de malabar, bien costaud. Je pense que c'est d'abord la raison pour laquelle Lily est venue. Et une fois qu'on est arrivé, on a compris que la mamie, elle était un peu starbée. Elle a commencé à nous Oh. parler de visions qu'elle avait, elle nous connaissait très bien, surtout Lily. Elle connaissait plus ou moins notre destin. Et donc, forcément, moi, j'ai dit bullshit. Bullshit, parce que, bah, elle nous connaît, enfin, voilà. Et là, elle nous a sorti un jeu de tarot. On a dit non, on n'a pas envie d'y jouer maintenant. En plus, on va être 5, c'est moins bien. On n'est pas père, Lily d'avoir une mauvaise a fait main. non, ça n'a rien à voir. En fait, je vais me lire votre avenir, quoi. Et elle nous a lu un peu notre avenir. Elle nous a plus ou moins formulé, pas d'avenir, mais on va dire, elle a prophétisé un peu notre caractère, on va dire, notre. Elle nous a lu les cartes, quoi. Un peu comme une diseuse de bonne aventure. Ce qui nous a surpris, parce qu'on sait que normalement les jeux de tarot, enfin le tarot utilisé tel quel, c'est plutôt réservé aux chefs de nuée. Donc on soupçonne que ce soit une ancienne chef de nuée qui aurait effectivement changé. Donc elle nous a prédit un destin un peu compliqué. Je veux pas vous faire toute la prophétie parce qu'elle est un poil, voilà. Et puis je l'ai pas retenue non plus par cœur. Et puis Mais je en ne l'ai gros, pas ça écrite. concernait. Ouais, si. Mais J'ai je oublié. sais qu'en gros, c'est lié aux 5 types de psychotes, quoi. Et elle nous parle de 5 chakras. Donc c'est un peu, voilà, on reprendra ça à tête posée, toute cette histoire-là, parce que là, j'avoue, je peux pas vous le refaire, ce sera un peu long. Une fois qu'elle nous a prophétisé ça, elle nous a plus ou moins dit, bah maintenant dégagez, vous faites chier. C'est C'était ça. exactement ça, hein, c'était pas autre chose. Lily, un peu déçue, passe en profiter des deux malabars qui étaient à... Et puis on a dit que là, Lily, elle fait, ah, c'est bon, en fait, on s'en fout. Et on s'est taillé. Une fois qu'on s'est taillé, on a découvert ce que c'était que les combats contre les cochons. Les combats contre les cochons qui deviennent des combats contre des humains, et on a découvert qu'en fait il y avait une énorme cage au milieu de la salle où se déroulaient des jeux, des paris, quoi. Où en fait des gens étaient en train de se battre contre quid d'un cochon, quid d'un ours, quid d'un autre humain, quid des couteaux, quid de la méchanceté de la rang de la reine. Une fois qu'on a bien vomi, enfin que moi j'ai bien vomi en me cassant, C'était on a très fini cool. par. On a découvert un petit gamin, enfin un petit gamin, on l'a pas découvert, mais on a fini par intercepter un petit gamin qui semblait travailler dans le coin, un petit appôt, une recrue, un oisillon, j'imagine que ça s'appelle, un truc comme Un ça. pinson. Voilà. Et qui, lui, a priori, savait où trouver Angel. Là, bah moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah ok, y a pas de souci. Bon, là, il a clairement essayé de m'acheter. Il a escalé 2 secondes. Entre autres. Entre autres, je vais pas tout dire sur ce qu'il a Non. fait parce que c'est qu'un gamin et je veux pas non plus trop le charger à son Il âge. avait la langue Non, bien pendue, il quoi. s'est pas privé, hein. Il a fait la langue bien pendue. Dans un Voilà. monde parallèle, il a reçu des baffes. Et oui, voilà, dans un monde parallèle, il s'est vengé, on va dire. Et du coup, il nous a mené à Angel, donc, et on a décidé que ce serait plutôt Lily qui allait jouer le côté un petit peu négociation parce Au qu'on a pif, hein. effectivement trouvé, on savait que effectivement Angel très force. Enfin, probablement lié à Léane, donc on allait enfin retrouver notre cible. Lily devait y aller, et puis elle a décidé que moi aussi, alors que j'étais pas totalement d'accord, mais j'y suis allé du coup. Elle m'a humilié bien publiquement 2-3 fois. Quoi? Oui. Elle a J'ai pas fait le même la bonne souvenir, moi, copine c'est qui marrant. elle a fait la bonne copine qui gère bien, et avec la copine bourrée qui gère pas. Elle a réussi à gagner les sympathies d'Angel, ce qui était d'abord notre but, et Angel nous a fini par faire venir Léane. Après des habiles, on va dire, tours de passe de Lily. Une fois qu'on a trouvé Léane, on s'est dit qu'on allait la récupérer. C'est vite devenu évident que Léane pas du tout envie de partir, qu'elle était très bien où elle était. On a dit qu'il allait falloir forcer un peu la chose. Donc on a monté un plan. On a improvisé un plan dans lequel j'ai dû vomir sur Léane et ensuite l'accompagner parce qu'elle devait changer de vêtements. Ensuite, au moment où elle partait, Octavio et Karl, hop, la capturait entre guillemets, on l'immobilisait, voilà. Bah, c'était couillu hein, quand même. Hein. C'était risqué, mais on a réussi. Ça, c'est parti. Le problème, c'était de la faire sortir. Une fois qu'on a commencé à essayer de la faire sortir, au début, elle n'était pas totalement consentante, donc bon, c'était un peu, pas forcément tous très bien, mais juste avant qu'on arrive là où on aurait dû aller, qui m'avait filé un petit peu de brûlure, parce que évidemment, les apocalyptiques, là-dessus.
M'avait conseillé effectivement si on va dire elle était un peu récalcitrante de filer un peu de brûlure parce que ça calmait beaucoup selon ses dires la personne. Donc moi n'écoutant que l'esprit de camaraderie, je me suis dit bah, je vais lui faire confiance, je donne la brûlure hein, à la jeune fille Léane. Quelle ne fut pas notre surprise quand elle nous a tous défoncés d'une certaine manière, enfin elle s'est échappée Ah très ouais, là facilement vous quoi. devriez avoir honte par contre. Vous êtes fait victimiser par On une sait dame à en qui manque. on doit la faute, à qui on sait à qui la faute et on sait qui blâme qui. C'est-à-dire, on sait tous que c'est à cause de la brûlure qu'on a pris cher. Exactement, c'est toujours la faute de la brûlure de Je toute suis façon. d'accord. Moi qui fais le résumé, donc c'est l'histoire retiendra ma version. Et Léane est revenue et là, bon, elle a tout déballé à Angel, comme quoi on avait essayé de la capturer et tout. Angel plutôt cool mais pas non plus débile, commence à dire oui bon vous essayez de me la mettre à l'envers, vous allez maintenant me dire ce que vous voulez et pourquoi vous le faites. On décide de jouer capture table, sans couper la carte sur table, mais on prend capture table, voilà, on fait des habiles encore. On manie les mots comme on peut quoi pour essayer de se sortir de ce pétrin. On y arrive, et Angel nous fait plus ou moins confiance sur. Enfin confiance. Il accepte en gros nos excuses déguisées et. Le fait que effectivement tenter ça pour des raisons qui n'étaient pas forcément les nôtres. Octavio intervient pour dire que en tant que juge il avait telle mission et que voilà. De son côté Angel fait comprendre que en tant que membre de la nuée ils n'ont pas de compte à rendre au juge et que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et voilà. Ça se bourre le mou à peu près 50-50 on va dire. Et on en est quitte pour dire bah, tu peux peut-être nous donner une lettre ou quelque chose prouverait qu'effectivement on t'a bien retrouvé, ma petite Léale, mais t'as pas envie de revenir avec nous. Je contacte le père et les borgnes qui s'en foutra complètement, a priori, mais ça nous donne gain de cause sur la mission, on va dire. De son côté, Angel nous pardonne plus ou moins et dit que bon, on a le droit de revenir, mais on n'a pas intérêt de redéconner là-dessus, et qu'il nous a quand même un peu à l'œil d'une certaine manière. Mais on s'en sort avec. Pas les honneurs parce qu'on n'a pas non plus réussi à ramener la fille, mais on va pas, on s'est dit qu'on allait peut-être pas forcer non plus une gamine à revenir chez elle de force. On est parti comme Voilà, des donc princes pour quand ça. même, hein. Oui. En plus, on a sa On lettre. est plutôt bien Parfait. parti. Ah, vous Ouais, n'êtes grâce même à pas qui, encore hein. parti. Grâce On à n'est pas qui? encore parti. On Vous a n'êtes même pas pas encore encore parti. décidé. On n'a pas encore décidé de la manière dont on allait gérer ce retour de mission et qu'est-ce qu'on allait filmer. Comment. Mais on en était là. Donc, effectivement, hein, long, on va dire quand même couillu, vous en êtes quand même bien sorti, hein. Capturer une appô, une pie dans sa. Dans Plein son milieu de sa nid, nuit. Et entouré de déjà sa pris. nuée, voilà, c'est quand même couillu, mais bon, ça n'a pas forcément fonctionné, mais vous en êtes bien sorti. T'aurais pu tourner beaucoup plus mal. Beaucoup plus mal, hein. Donc, Oui. mine de rien, que Rayon commence à percer à travers les divers fenêtres, hublots ou fentes du navire, ce qui met un terme tout simplement à votre nuit de débauche, mais aussi à la nuit de débauche de l'épave. Les personnes qui restaient commencent à prendre l'escalier pour remonter. Les soulards sont largement dépouillés de il leur reste dans les poches avant d'être traînés pour ceux qui sont encore en vie à travers les escaliers pour et décharger donc sur le quai. Ceux qui sont morts sont réellement jetés par les hublots, car il y a quand même quelques cadavres. Une C'est pas avarie! les cochons, ouais. Bah écoute, oui, on va dire il peut avoir le cochon, il peut aussi avoir une grosse intoxication, un petit coup de lame cachée pour ceux qui avaient caché des lames, des mauvais perdants. Donc bon, maintenant ils sont pas 50, hein, mais il peut avoir 2-3 cadavres. Donc vous regagnez le pont supérieur, vous sortez tout simplement de l'épave, hein, et donc voici sur le quai. Les premières rayons. De l'aube se manifeste. Ça fait très bizarre. C'est un peu comme lorsqu'on sort d'un cinéma ou d'une boîte. On retourne à la réalité. Cinéma, qu'est-ce que c'est? Ah, Certains ont encore des étoiles dans les yeux. Ah ouais, je vous avoue. Les autres, Ah. certains autres peuvent respirer à nouveau C'est ça, moi j'ai de l'impression de l'air sortir d'un pur. film d'horreur, tu sais.
Mon Dieu, mais quel navet ce truc! Ah, C'est un moi j'ai l'impression Bollywood, de c'est pas sortir d'une. possible! Moi j'ai l'impression de sortir d'une salle d'option sur une victime de la brûlure là, c'est. Et des autres ont encore des Roland en fait. Hein? Surtout Du ronflement d'il y a quelques heures. Karl, tiens-moi les cheveux! Oh. Donc autant vous dire que vous êtes fourbu. C'est le petit poussé de l'alcoolisme, tu sais. Qui a la lettre de Léane? Bah je l'ai prise du coup. Tu l'as prise, Enfin, on d'accord. me l'a donnée. D'accord. Parce que j'étais parti sans en fait à la base. C'est vrai que je l'avais zappé. Où avais-tu Genre, je suis planqué comme un où seigneur, tu avais-tu vois. où avais-tu planqué ton jeton? Mon jeton. Bah Ah, ça tu l'as oublié. c'est mais non, c'est fait ça déjà. Non, je te taquinais. Mais non, mais en plus, je me rappelle que Jeton. c'était le premier truc que j'avais fait. Ce regard de doute pendant un instant. Il a pas osé faire ça. Mon marteau, vive ma Couteau. virilité! Il me rendait pas mon marteau, je revenais avec du diesel pour tout cramer quoi. Je vidais les réservoirs des motos et. Du pétrole. Donc vous voici sur le Connais le quai. prix du pétrole, tu fais quoi sinon? Ils veulent de la brûlure, je vais leur en donner moi. Autant vous dire que c'est désert. C'est le moment où les soûlards rentrent et les gens, on va dire, qui se lèvent tôt. Ouais, Commence à se les manifester. rabat-joie, quoi. Voilà. Les mecs pas Après la frais. France qui se lève tôt, la Borca qui se lève tôt. Donc ces deux populations se croisent et s'ignorent totalement. Alors attention aux galettes 6. de Borca. La fameuse galette de Borca, spécialité qu'on ne trouve qu'aux alentours de De cette l'épave. C'est heure-ci. ça. C'est à cette heure-ci, ouais, c'est ça. Donc On où s'est vous arrêté à rendez-vous? notre. Eh ben, On avait on avait une dormi un petite peu. crèmerie là. Chez Birgit? Ouais. À la pension de famille, bah écoute, vous revenez donc chez Birgit, hein, ça se trouve donc. Hop là! Oui, il y a son Moi je token prends et la tout. couche. Donc, vous y rentrez sans trop de problèmes. Vous voyez les premiers commerçants rentrer, les diverses livraisons qu'ils ont reçues. Alors il n'y a pas de tonneau, hein. C'est pas un pays à tonneaux, c'est un pays à barils. On livre des barils, donc des barils de légumes, des barils de boissons. Donc vous naviguez un peu entre les ruelles, entre les diverses livraisons qu'on peut encore avoir à cette heure-ci. Vous arrivez chez Birgit, qui vient d'ouvrir. Il est Ah, donc en 6. fait, si on arrivait plus tôt que ça, on pouvait pas entrer de toute façon. Donc on a pas de regret en fait d'être entré à cette heure-ci. Exactement. Bah voilà. Tout de suite, lorsque vous arrivez à côté de cette pension de famille, hein, tout de suite, un petit peu les effluves du pain chaud, peut-être une soupe, peut-être de la viande. Ça te fera du bien, Yark, de manger quelque chose après tout ce que Ouais. tu as En fait, alors sur le trajet, vous expressé. allez me faire un petit jet de perception, dites-moi. Ah, mon jet préféré. C'est ça. C'est parti. Je savais que j'aurais dû mettre de la potion. Faut toujours mettre de la perception. Voilà. Ça. Ouais, mais Voilà. ceci dit, pour Oh l'instant, là ça va. là! Ça, c'est la Allez, on aime. brûlure, ça. Je suis encore plein de drogue, c'est Voilà. pour ça. Qu'à la C'est dalle. ça. Lily, tu as l'impression que vous êtes observée. Bah, moi, c'est normal que je me fasse observer Oui. dans une rue, en fait. Mais depuis que vous êtes sorti de l'épave, tu as le sentiment que vous êtes observé. Donc tu te retournes de temps en temps sur le trajet, l'impression de voir une ombre fugace qui parle, mais en fait c'est pas ça. Tu as une impression bizarre. Peut-être que vous êtes suivi, peut-être qu'on vous attendait à la sortie de l'épave. Voilà, c'est bizarre. Je vais en référer à qui de droit dans ce groupe, hein, monsieur le juge. Oui. Je crois que nos frasques, ou alors vos frusques, ça dépend, ont peut-être attiré l'attention. J'ai l'impression que on nous suit. Ah. Mais nous sommes plus sur leur territoire, donc bon, vous Enfin avez une bonne toute latitude nouvelle. pour agir de votre manière, monsieur le Oui, juge. c'est du harcèlement là, on est d'accord. Je te regarde, tu sais, genre. Vous parlez de moi ou. Alors je Non, mais propose toi, il est qu'on. habitué.
Je propose qu'on fasse comme si de rien n'était, on prend une petite venelle, là, un petit passage, et puis on les attend. Ah ouais, et peut-être il arrive, vous l'attrapez par le col et vous le frappez dans les valseuses, dans les bijoux de famille. Mais non, ça ne se fait pas, voyons. Attends, Étrange avant. s'il doit être Non, puni, c'est juste. je lui briserai quelques phalanges, mais on ne s'attaque pas aux bijoux de famille, voyons. Pas mal. Donc vous attendez une légère fraîcheur C'est Ayark, ça. qui vous saisit, hein. Un peu le fugace moment entre la froideur de la nuit et le jour qui se réveille. Mais voilà, t'as 1 minute, 10 minutes, rien. Ouais, on va pas camper là non plus, hein. Bon, je me suis peut-être trompé. Ah, la fausse joie. Ou alors il... Lis, s'il vous plaît, j'en peux plus. Ou alors il est très fort. Il sait qu'on l'a repéré. Mais est-ce qu'il sait qu'on sait qu'il sait qu'il a repéré? Ben, je pense, hein, s'il nous voit plus avancer, c'est qu'il sait qu'on sait. Qu'il sait. Et vu qu'on sait qu'il sait qu'on sait, est-ce que ça sert à quelque chose de rester ici? J'en sais rien. On sait, c'est que c'est un D'autant connard, qu'il y a... et qu'il nous suit, on lui met un taquet. Dans cette petite ruelle, il y a quand même une odeur âcre. Je suis surprise des paroles d'Ayar qui disait... What? C'est les effets de brûlure. Des jeunes gens j'ai entendu, très bien Karl, sont et j'ai pas pris de révolus. brûlure. Pas la peine de C'est faire passer ce l'alcool. que j'ai pas pris. Et tu irais beaucoup mieux si tu en avais pris. D'ailleurs, toi tu es pas comme ça, j'ai mal à la tête. D'ailleurs, elle n'a pas arrêté de vous parler pendant tout le trajet. Il n'y a pas une seconde où Lille ne vous parle pas. Mais de tout et n'importe quoi, mais elle vous parle. Et c'est très intéressant de toute façon. Hein. Ah, mais elle parle de trucs comme des serveurs, des flux, des données, des octets. De moi? Moi, je parle pendant tout le trajet. Non, 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 Lily. Bah, le flux, encore, ça va. Octet, je vois qui c'est. Bah, le reste. Donc, vous vous retrouvez devant la pension de famille de Madame Birgit. Bah, une petite collation et. Et vous entrez. Elle se retourne, surprise de vous voir. Oh, vous êtes bien matinal. J'ai l'impression qu'entre chaque scène, on est en train de bouffer, en fait. C'est ça. T'as pas l'impression? Parce qu'il me semble qu'on avait bouffé avant d'y aller. Et on y allait, on revient, on bouffe encore, quoi. C'est ça. Donc, elle vous fait asseoir à une petite table, hein, tranquille. Enfin, une petite table, vous avez quand même 4. Il y en a quand même un qui est bien baraqué. Donc, on va dire une table moyenne, ronde. Elle vous apporte, donc... de la soupe, hein, un peu de fromage et une boisson chaude. Hein. Une boisson chaude qui a l'air d'être de l'eau bouillie avec des herbes. Ah, est-ce ça qu'on appelle du thé? Écoute, le thé a de très bonnes vertus diurétiques et l'eau est bouillie, donc elle est forcément propre, a priori. De toute façon, elle vient des chroniqueurs, hein. Donc voilà. Des chroniqueurs, elle est filtrée. Voilà. Donc c'est de l'eau propre et de l'herbe, quoi. Mais bon, en c'est tout cas, ça. C'est bon. Ah, voilà. D'accord. Je te conseille d'en boire beaucoup. Ça va c'est t'aider, quoi peut-être. Ah, laissez-moi tranquille. Sais-tu que ce sont tes reins qui font souffrir, car ils ont, pour travailler, ils ont besoin Karl, de... Karl, Karl, ferme-la. On racontera ça plus tard. Bois. Donc effectivement, ça se passe à peu près comme ça. Vous commencez à essayer d'engager la conversation entre vous pour débriefer un peu de cette soirée. Et la nourriture étant bonne, le silence commence à s'installer, tout doucement. Après silence, suit un peu la fatigue. Bon, messieurs, normal, hein. Je pense que notre mission est échouée. Bien sûr que non. Nous avons aidé une jeune fille à se libérer du patriarcat et de l'oppression. Nous n'avons pas permis à cette jeune fille d'emprunter le droit chemin vers la justice et devenir une grande avocate. C'est une perte énorme pour Arme. Ah, hélas, parfois les gens ne veulent te sauver. Hein. J'en ai vu beaucoup ce soir de gens qui ne voulaient pas être sauvés. J'ai un petit rire nerveux. Vous entendez à côté que Yaoktay a dû probablement s'endormir. Lily, est-ce que tu peux aider Yaoktay à aller se mettre au lit? Et si c'était toi, Karl, l'aider à se mettre au lit? Pourquoi moi particulièrement? Vous vous connaissez bien. Et maintenant, vous connaissez bien aussi.
Oui, mais bon, si c'est moi qui commence à la monter, à la déshabiller, on va se poser des questions. Alors que si c'est toi, Justement, on se mais pose pas non. de questions quand tu déshabilles quelqu'un, hein. Mais non, mais vous avez vécu ensemble, vous avez certainement pris des bains dans la Bah, rivière c'était pas empoisonnée tous propre. les deux, ce genre de C'est choses, pas quoi. propre, c'est très sale. C'est sale, la rivière. Vous avez même un peu de viande aussi grillée, hein, pour ceux qui veulent. Oh, c'est le feu, dis donc. Oh. C'est le feu, bah Du oui. Hein. kendo, Eh ouais, voilà. crier. C'est ça. Et lorsque Juste vous te rappeler parlez des choses. durant cet Oh, les mots. échange un petit peu vigoureux, mais sans plus, Karl, tu vois une main qui prend un morceau dans ton assiette et un jeune homme qui s'assoit à côté de toi. Il prend le morceau avec des doigts qui sont, on va dire, pas très propres. Faut être honnête, hein, on voit un petit peu de crasse sous les ongles. Il chope dans ton assiette un morceau de viande et qui mange et qui s'assoit à côté de vous. C'est Tommy. Je lui chope la main, je Ah, sors le mais t'es marteau. bien logé. Bien logé ici. Je lui chope la main, je sors le marteau, j'y fais. Est-ce que tu sais comment on juge un voleur ici, hors de ton Bah, c'est pas un territoire? voleur, il m'a invité. Arrête, lâche-moi! Je pousse mon assiette vers Lily. Ah, tu ne manges pas? Eh, t'en veux plus? Donne-moi ça! Non, Ah, mais elle est saine. par contre, je le menace sérieusement. Hein. J'y fais. Sais-tu Ah non, comment on mais oui. punit un voleur hors de son territoire? Et puis je le regarde. Vengeance, un jugement. Écoutez, moi je viens en ami, c'est pas la peine de me. Voilà, y a un petit déjeuner, y a un petit déjeuner à volonté qui est servi. Installe, hein! Un ami, ça pique Vous pas dans les entendez Ayark à assiettes. côté? Vous entendez Ayark à côté qui Voilà. fait. La dame, elle est très gentille à Dites-moi. l'entrée, hein, quand elle lui a dit que j'étais le fils Ayark. Y a Ayark à côté dans son sommeil, vous entendez qu'il fait. Non, pas le marteau, non, non. Tout se passe, ça va. Je sors mon codex, je lui tiens toujours la main, je pose le marteau Oui. sur la table, Ah, mais tu vas te calmer. je sors le Merci. codex et j'énonce. Alors pour le vol, normalement, c'est deux phalanges. Le mensonge, c'est une Oh, marquage. deux phalanges, ça c'est pour un gros vol, moi. Il y avait du gras sur la viande. Il y avait du gras, donc on va Deux dire. phalanges, Allez, deux à phalanges. vous d'ongles! Elle était en plus, il y avait des nerfs dedans. Je sors la peinture. Ah oh, non, pas la peinture. La peinture! Je suis allergique. À chaque fois, ça me fait. La dernière fois, on m'a essayé de me faire les ongles. Scarlett a essayé de me faire les ongles et j'ai pas voulu. J'en verse une goutte. Non, mais voilà, je vous ai proposé mes services! Mais on s'en fout de tes services, casse-toi d'ici! Hey, je m'en fous, vous venez Toi non d'arriver. plus. Vous venez Qu'est-ce que tu d'arriver veux, en ville, vous apparemment? connaissez personne, je me dis que je peux vous servir un petit peu. C'est Bah, tu t'es ça. surtout Donc, servi, oui. on connaît Bon, personne et le écoute. premier qui vient, c'est toi. Merci. En plus, tu l'avais mâchouillé la viande. Donc je lui fais un petit cœur sur le dessus là, un petit cœur bleu avec Oh, c'est Mimi. Si. Allez, maintenant dégage. Merci. Non, mais vous voulez pas un petit Qui coup de main là? t'envoie? Mais on n'a pas besoin de Un coup de main, toi. pourquoi? Bah, un coup de main là, comme ça je reste avec vous, je regarde ce que vous faites. Comme ça, tu nous soutiens des sous. Mais non! Jamais, jamais, jamais! Je vous dis que vous avez peut-être besoin d'un petit guide dans la ville. Est-ce que je Si peux vous essayer refusez, de tant mieux! l'intimider parce qu'il me gonfle en fait? Attends. Non. Pourquoi t'es venu? Il Et tu nous sais pas espionne. pourquoi je suis Il venu? nous Mais je veux espionne. savoir où vous habitiez, moi! C'est Angel qui t'envoie? Non, Regarde-moi. c'est pas Angèle, c'est pas Angèle, Tu c'est pas Angèle. ne mentirais pas à moi. Non, c'est autre chose, c'est... Oui, envers Angèle, il y a un rapport avec Angèle, mais c'est un peu au-dessus. Oh, tu vas nous expliquer. T'es en si bon chemin, t'arrêtes pas. Oui, non, mais après, moi, je vais me faire taper dessus. Ah bah. oui, ça se fait de le dire. Monsieur le Non, juge. non, non, voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est être avec vous, voilà. Pourquoi Voilà, tu ne peux c'est un pas aller échange chercher de mon bons vieux procédés. sang? Je dois rendre des services, je vous en rends. On essaie de s'arranger ensemble, quoi. Bah écoute, je vais lui éclater un doigt. Je lui éclate un doigt à coup de marteau, donc le petit, hein, celui qui Putain, sert le moins. tu... Ah, il Salut, hurle! toi. Allez, je lui dis, j'y fais voilà. Espèce de grosse salope! Ah ouais, donc je lui peins la main en bleu pour insulte à l'ordre public. Et je C'est l'attrape, ma je le faute. fous dehors et j'ai dit voilà, tu peux ramener ça à tes supérieurs, j'ai horreur qu'on me suive. Et Oh tu. là Et J'y vais je. revenir, hein! Ah bah si tu Ah, reviens, je te franchement, fais tu la es deuxième sensationnel. main. Non mais sinon tu nous dis toute la vérité et on évite que tu perdes ta Ah, main. je lui fous un Mais coup je de vous pied l'ai au cul, hein. dit, je vous l'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Tu nous as pas dit qui? Et Bah, je t'ai pourquoi? dit que c'était au-dessus d'Angèle. Oui, Eh c'est oui. qui et pourquoi? Bah, y a qui au-dessus d'Angèle, d'après toi?
Bah, ce soir, il n'y a pas moi déjà pour commencer, à cause de quelques petits soucis. Non, mais à ça me regarde pas. Hein. C'est pas la bonne période, ça peut arriver, il y a des gens qui aiment ça. Hein. Ah, je le fous dehors et je ferme la porte. Non, attends! Attends! Il se tient la main. Hein. Il était déjà parti. Écoute, T'as vraiment bien appuyé le coup du marteau ou t'as juste fait en sorte qu'il a un énorme bleu? C'est un peu plus que le bleu, mais je lui ai pas broyé l'os, quoi. C'est à mon avis. Il a fracturé le doigt ou pas? Non, peut-être pas fracturé, mais il me semble que. Bien une semaine de délai pour. Ouais. D'attel. C'est ça. Il m'a fait mal, hein! Et puis il a la main bleue, par vous contre. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main, vous connaissez pas la ville, là! Par contre, il a une main bleue. Enfin, une paume bleue. Oui! Donc, la corneille t'envoie pour nous aider à visiter la ville. Tu vas nous faire avaler ça. Non, elle vous en parle. Non, elle voulait simplement savoir où vous crêchiez. Bah voilà, maintenant elle sait. Ça va faire quoi maintenant? Mais en même temps, je me dis que je me sens bien avec vous. Ah, t'es sûr que tu te sens bien? Et puis, Ayark, elle m'a. Je sens qu'elle m'a. Qu'elle m'a. Elle m'a dans son. Tapé dans l'œil, oui. Ouais, non, elle m'a bien. Aussi, on a compris. Je lui ai tapé dans l'œil, quoi. Ouais. Je le sais, faut se l'avouer. Taper, c'est pas une bonne chose dans ce groupe, tu sais. Hein, tu tapes plus fort que dans l'œil. Non, pas les yeux, ne me crevez pas les yeux. De toute façon, vous inquiétez pas, vous avez besoin de moi, je serai là. Hein. Donc en fait, le but c'est quoi? C'est que tu rapportes ce qu'on fait à la corneille, c'est ça? C'est pour ça que t'es payé? Le but c'est quoi? C'est que tu nous surveilles et tu rapportes à la corneille? En gros? Mais jusqu'à quand? Ouais, c'est ça, ouais. Jusqu'à quand? Oh, je sais pas, j'attends qu'ils me disent d'arrêter. Bah, mieux vaut un espion qu'on sait. Oui, c'est ça. Mieux vaut un espion qu'on sait qu'il est là. Je vous regarde, j'ai fait, mais ça va bien vous deux? Mais comme ça. Mais de toute façon, ils nous enverront quelqu'un pour nous espionner. Alors, au moins, qu'on ait l'œil sur l'espion qui nous surveille. Ouais, enfin bon, s'il faut que je lui broie toute une main entière pour faire passer un message, ça me gêne pas. Hein. Ouais, oh, bah ça, après, monsieur le juge. Hein, C'est que je pense que si tu fais ça, il risque d'envoyer quelqu'un d'autre et de se dire, lui, il veut vraiment pas qu'on le suive, il nous cache quelque chose. On a rien de spécial à cacher. Mais qu'ils envoient quelqu'un, putain! Je peux pas les choper là-bas, mais je peux faire ce que je veux partout ailleurs. Et ton copain, Toubib, il pourrait pas regarder un petit peu ma main, là? Je regarde... Lave-toi les mains, d'abord. Je dis à Karl, vas-y, Karl, montre-lui ce que tu vas lui faire, là, avec ton vélociraptor, là. Je sais plus comment il s'appelle. Il prend un chiffon, il se nettoie les mains. Ah, voilà. Avec de l'eau? Il y a du savon? De l'eau et du savon, il y a de l'eau et du savon ici? Je suis sûr qu'il y en a. J'en ai, tiens, un petit savon, tiens. Tu sais ce qu'il fait, Karl, aux gens pour plus qu'ils aient mal aux doigts? Mais il me fait mal, je peux pas, ça me fait mal pour nettoyer. Mais tu sais ce qu'il va faire pour plus que t'aies mal aux doigts? Trop beau. Tu sais ce qui te ferait encore plus mal? La gangrène, nettoie. Ah non, pas la gangrène. Non, mais il va. En se nettoyant pas les mains qu'on attrape la gangrène. T'auras plus mal aux doigts, il va te la couper. Il te présente sa main. Là. Juste avec le bout du doigt, je prends le doigt, il a mal, je le bouge un peu pour voir. Ça tire un peu. Normalement, quand on tire le petit doigt comme ça, je fais une blague, mais là je la ferai pas. Ah non, il faut mieux pas, non. Oh, je vois, bon. Il y a rien de cassé, non, il y a rien de cassé. Mais voilà. Tu n'as rien de cassé, ça passera d'ici quelques jours. On va pas m'amputer à la main? Pas cette fois. Mais si tu restes avec nous, ça va le devenir. Hein, parce que si tu continues à avoir les mains aussi sales. Je suis pas sûr que tu gardes tes 10 doigts toute l'année. Hein. D'accord. Et vous comptez aller dormir là? Vous comptez faire quoi? Ouais, c'est à peu près ça. Peut-être, peut-être pas. Je crois que Monsieur le juge n'a cassé assez de mains aujourd'hui. Ouais, moi je le fous dehors et je ferme la porte. Bon, bah, tu vois comme on fait avec un coup de pied au cul pour les jeunes là, tu sais, allez vas-y, dégage maintenant. Et je ferme la porte. D'accord, bah tu le mets dehors sans trop de problèmes. Tu le vois, il se retourne. Le juge se retourne, plein de choses avec ses doigts. Mais pas avec celui que j'ai cassé. Ah non, non, mais comme t'as pas fait le majeur, passait. Du coup, ça représente rien du tout. Et il se met de l'autre côté de la rue. Je crois qu'on a gagné un pot de colle. Il est mignon. Alors, j'apprécie pas du tout, en fait. Non, mais c'est classique, ce genre de choses. On les a un petit peu énervés. Faut être honnête, on est arrivé sur leur territoire, on leur a menti, on a essayé de piquer une de leurs filles.
On a mis un petit peu de grabuge, c'est normal qu'ils nous tiennent un petit peu à l'œil. Jusque-là, il n'y a rien de Oui, mais moi, est-ce que je les tiens à l'œil là quand ils répandent leurs germes partout là? Non. Apparemment, si. Le bâton magique! Le bâton magique! Allez, maintenant, il faudrait peut-être coucher la petite. Oui, je pense que. Dans l'idée, il faudrait lui donner de l'eau aussi, parce qu'elle va avoir un mal de crâne quand oui, elle va se tout réveiller. Le fait que j'ai forcé à boire son thé, quand elle a... son verre était vide, j'en ai resservi. Non, ne le fais pas briller! Ne le fais pas briller! Ah? Elle parle de sceptre turgescent, si je me trompe pas, non? C'est ça? Elle a parlé de sceptre et de brillant. Elle parle de ventilacérateur, certainement. Ou alors, elle parle d'autre chose. Tu as rien d'autre qui brille sur moi? Qui est long et qui brille, Karl? Ah, dilacérateur. Oui. Qu'elle veut faire avec ça? Par contre, ça me surprend. Et ça m'interroge. Allez, on va la mettre au lit. Donc direction vos chambres, sans trop de problèmes. Ouais, derrière Casmatrie. Le cavalier comme manière de dire les choses, Karl, mais allons-y. Hein. Oui. Avec une petite bassine à côté. C'est ça, exactement. Tu vas au moins la changer, non? Tu vas pas la laisser dans ses habits pleins de vomi. Toi, t'as l'habitude de déshabiller des gens. Non, moi je les vole, c'est pas la même chose. Tu voles les gens? Je les... J'évite qu'ils se blessent avec les choses dans leur poche. Quand ils sont pas bien. C'est tellement redoutable des pièces de monnaie, c'est clair que. J'adore qu'Octavie vient de faire la liste des choses qu'il fait aux gens qui volent, et t'as elle derrière, oh moi je vole un peu aussi. Ou ça c'était avant. C'est un paiement différé. Et ben heureusement que j'ai pas de billets sur moi. Je me serais fait mal avec. Donc vous rejoignez tous vos chambres. Vous dormez vêtu ou non. Moi j'enlève pas ma combinaison. D'un sommeil qui n'aurait pas aussi réparateur, à part pour Lily, que s'il avait été effectué de pleine nuit, que Lily a l'habitude. Vous vous réveillez en fin de matinée, moins fatigué, mais quand même, vous savez, cette pression de lourdeur qu'on a le matin quand on a passé une nuit blanche. Soleil est à peu près à son zénith. Je voudrais faire un petit truc, pardon. Oui. Je voudrais me lever un petit peu plus tôt, genre une heure plus tôt, pour aller faire genre un petit footing, un petit truc comme ça, pour voir si le pisseux il me suit toujours. Et s'il me suit, je veux le crever, tu sais, l'épuiser, quoi qu'il arrive. Qui crache ses poumons D'accord. en essayant de me suivre. D'accord, mais tu fais un jet de perception pour savoir si tu le vois. Non, mais je vais pas le voir. Mais j'imagine qu'il me suit. Tu peux comprendre qu'il se cachait pas. Oh, je le vois. Oh. Peut-être. Vois oui. Tu vois oui. Et voilà, je vais faire. Pour faire un petit footing. Un petit footing, voilà, vraiment, mais le truc costaud, tu vois, le footing intensif, quoi. Qui est pas pour les pisseux, quoi. Tu sens qu'il s'interroge au moment où tu pars. Il regarde Birgit, il regarde l'établissement de la portion de famille, il te regarde partir. Il te regarde partir, il regarde la portion de famille. Je fais semblant de dire un truc, un mot, tu sais, je le range dans ma poche et je fais genre, je regarde de tous les côtés, tu sais, comme si. D'accord. Alors il essaie de te suivre et effectivement, si au début tu joues un peu avec lui, ouais c'est ça, tu sais, je l'éloigne gentiment et puis après je bien quoi, tu vois du parcours et tout s'il après, faut. Après tu t'accélères un petit peu. Tu vois que tu le distances et bizarrement il arrive à retrouver des raccourcis pour te retrouver. Ah le bâtard. T'as l'impression qu'il connaît très bien la ville en fait. En plus c'est très probable que ce soit un bâtard d'ailleurs. Mais comment il fait? Je vais nulle part. Moi je sais pas où je vais. Donc et au bout d'un moment finalement t'accélères encore plus et t'arrives à le semer sans trop de problème. Ok. Je vais descendre bah, beaucoup plus tard que Octavio qui est parti faire son footing du matin, faut pas déconner. Je vais dire bonjour Birgit, vous avez pas quelque chose contre le mal de crâne? Ah si, j'ai du distillat. Le mal par le mal, c'est très bien. Ça, le mal par le mal, ça guérit bien. Il faut juste en prendre une petite larmiche. Dans une infusion, oui. Et je peux vous donner un œuf avec un œuf que vous avez. Vous gobez.
vous gobez. Gobe ça tu... Oui, il faut gober, hein. il est pas cuit. Ok. Faut aspirer dedans. Il manque juste le piment par-dessus, tu vois. Donc effectivement, tu bois la décoction. Ouais. C'est, fait c'est pas super. Truc. Non, c'est pas du tout super. Ça te réhydrate et ça te réveille un petit peu. Et effectivement, la texture crue de l'œuf dans ta bouche, t'es limite à vomir, mais tu sens que ça te requinque assez rapidement en fait. On va pas dire que t'es au top de ta forme, loin de là. Hein. J'imagine que plus le remède est dégueulasse, plus. Enfin, plus le remède est mauvais. Alors, j'ai dit efficace. Ça y est, j'ai dit plus. C'est ça, exactement. Elle te ramène du pain. Je n'imagine même pas comment Carl soigne les brûlures. C'est vraiment est-ce que vous voulez merci que je Birgit, vous ramène vous du pain grillé avec du lard? Ah, si vous pouviez, ça me ferait bien plaisir. J'ai une de ces crocs. J'ai rien mangé depuis hier soir. Elle te ramène deux tranches de pain grillé avec du lard. Et cette fois, vous voyez que je me fais un festin, mais vraiment. Et ça te fait du bien. J'ai trop la dalle. Octavio, tu vas me faire un petit jet d'orientation. Mm-hmm. Parce qu'effectivement. Bien. Oh bah il aurait tué, hein. Il aurait fait un 1 sur mais son non. G, il serait perdu. Hein. Mais j'ai pas tiré encore. Ah, c'est pas t'as son pas tiré nom, non, c'est son nom de perception. Orientation regarde. Ou c'est orientation. Instinct orientation. Instinct. Ah putain, instinct orientation, oui. Oh non, bah, je vais me perdre. Vas-y, vas-y. Je vais plutôt faire expression pour demander mon chemin à un passant, non? C'est ça. Fais-le après que tu te sois perdu. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'ai perdu. Je l'ai semé, j'ai. On a perdu le juge. J'ai semé ce petit con. Putain, où est-ce que je suis, moi? Infaillible. Jamais il ne savait pas où j'allais, mais moi non plus. T'es un mec qui gueule tout seul, c'est dans une nouvelle. T'as pas réussi à me suivre jusqu'ici, hein? Je sais pas où je suis, mais tu y es pas en tout cas. Effectivement, tu sais pas où tu es, mais tu sais que ça a l'air. C'est beaucoup moins sympa comme quartier que ce que tu étais auparavant. C'est très mort, quoi. C'est limite. Voilà, c'est limite en ruine. S'il vous plaît, madame. Les gens qui te regardent. La terre battue au sol. Bâtiments sont plus ou moins tous éventrés. Fait avec des plaques de tôle. Sans la misère, là. Excusez-moi, madame. Je cherche la ville haute. Tu vois une dame, elle t'indique une direction. Ok. Ah, merci, madame. Puis j'y vais, hein. Je suis un peu naïf, donc. C'est ça. Non, mais y a pas de souci. Hein. Tu retrouves plus ou moins avec une heure quand même hein, de. Ouais, c'est ça. De recherche. Tu arrives à trouver la pension de famille. Deux sortes de footing. Oui, c'est ça. On va commencer, il va être flingué dès le début de journée. J'en une heure de footing et une heure de recherche pour rentrer en fait. C'est ça. Pendant ce temps, nous, tranquille, hein, il en profite, il fait sa petite toilette, tu vois, il se frotte vigoureusement avec des blocs de calcaire. Et tu vois d'ailleurs, quand tu reviens à la pension de famille, hein, Tommy te voit parce qu'il est sur le côté. Dans une petite je lui fais un petit sourire comme ça et je lui fais ça. Et il fait les étirements. Ouais, tu vas en avoir besoin si tu veux me suivre. Hein. Enfin, il te regarde avec une attelle. C'est ça. Donc tu rentres, tu vois, effectivement. Le prochain doigt que je lui brise, ce sera l'index. Comme ça, il pourra faire ça. Octavio, vous étiez sorti? Ah, tu étais sorti, parce qu'on pense qu'on se tutoie. Ouais, on se tutoie. Donc tu vois que je sens le bouc. Hein. Ouais, petite balade à la fraîche. Comme tous les matins. Tu viens de faire un footing? Ah bah il faut se maintenir en forme. Comment tu crois que ces biscottos ils restent aussi saillants? Un petit bain maintenant, c'est ça? Eh bien courageux, moi j'aurais pas pu. Par contre, je me suis fait un énorme frichti. Ouh, ça fait du bien. T'en veux? Bah oui, du coup. J'ai fait du sport, il faut que je mange. Ouais, c'est Brigitte qui a fait ça. Voilà. Brigitte. Et c'est vachement Brigitte bon. Arrive au moment où tu t'assois, Octavio, hein. Je vous apporte quelque chose? Oui, la même chose, mais x2. S'il vous plaît. Je vais payer plus cher. Je m'en fous, on économise sur la part de Carl. Et donc voilà, donc vous vous retrouvez tranquillement à manger.
On fait que ça, franchement, on arrête pas de bouffer. C'est ça, c'est le début d'après-midi. Ouais, c'est le deuxième repas, ça fait quoi, une heure qu'on a commencé? Vivement 4 heures. Voilà, c'est le début d'après-midi. Ah. Bon, on fait quoi maintenant? Bah, je pense qu'on va. Il y a Lily qui n'est pas descendue, je crois. Non, non, moi je suis toujours pas réveillé. Hein. Ah. Je crois qu'elle a eu des soucis. Ah, je connais bien ce souci, c'est une maladie très grave. Ça s'appelle la flemme. Ah, tu crois? Faut que j'aille la réveiller? Ouais, et monte le son de ton vocodeur qu'on t'entende. De quoi? L'eau ne serait quand même pas que j'écris dessus avec le vocodeur. Ah, si, ça va bien la réveiller. C'est pas un jouet, Octavio, je fais pas. Gentiment. Je vais toquer gentiment à sa porte. Lily? Lily, ça va? Pas de réponse. Et je frappe un peu plus fort. Birgit qui sort avec un plateau. Et qui va redescends, le donner à Tommy. Qui va le donner à Tommy. D'accord. Je vais aller voir. Je vais regarder. Je vais descendre. Je vais aller parler à Birgit. Excuse-moi, Birgit. Vous auriez pas vu notre amie, celle qui. Je lui donne un peu sa description. Non. Elle est sortie ce matin? Non, je ne l'avais pas sortie depuis ce matin, non. Elle doit être encore dans sa chambre. Ouais, mais elle répond pas. Est-ce que vous auriez la clé? Ah oui, bien sûr. Vous voulez bien m'accompagner ou alors si vous voulez me donner la clé, c'est pas grave. Oui. Elle arrive contre la porte et elle tambourine. Bum, 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 bum. Sacrée clé. Vous avez là. Il y a votre ami qui veut vous parler. Oui, non, mais Birgit, j'ai déjà essayé en fait. Ah bah, il faut ouvrir la porte. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais il y a la clé derrière. Alors, c'est pas des clés, c'est un loquet, tu sais que... Ah, zut, oh. Un truc en métal, elle va chercher un couteau, elle le passe dans le cadre de la porte, tu vas faire comme ça ici. C'est vrai, gamer, notre logeuse, quoi. Je vois que le système de la sécurité de nos chambres est vraiment assuré avec vous. Oui, sur mon chien. Du coup, elle ouvre? Voilà, oui, bien sûr, elle ouvre. Elle a un petit écal. Okay. Bah, je pionce, quoi. Voilà, il y a la pionce. Elle est dans elle a les bras écartés, les jambes écartées, et elle dort complètement. Elle fait l'étoile de mer. Une couverture entre les jambes, et elle dort avec un léger filet de bave sur le bord de ses lèvres. Alors ça, c'était en trop. Ça, c'est très féminin, ça. J'ai un sourcil qui se lève, tu vois, quand je la vois. Tiens donc. Je suis sûr que t'entendais. Le sommeil du juste. C'est dommage que ça n'existe plus, les appareils photo. Ouais. Parce que là. Et une petite bouteille de ce qui semble être du distillat qu'elle a dû consommer avant de dormir, peut-être. Je l'écarte légèrement, mais le reste je l'écarte légèrement de la main. Pour la mettre de côté. J'essaie de réveiller gentiment Lily. C'est con que j'ai pas une trompette, j'aurais fait le chant de l'armée là. Lily, il commence à être tard, il faut que tu te réveilles. Allez, ça se répond pas. Ok. Il va falloir la réveiller. Je fais sonner des pièces dans ma bourse. Vous auriez pas un... Non, mais c'est bon, quoi. De l'eau pas pure, hein, bien sûr, parce que vu le prix de l'eau, machin, mais... De l'eau même croupie, on s'en fout. Ah, il y a, y a le bro, là, elle te montre le bro qu'il y a dans chaque chambre. Hein. Une sorte de cruche et un bro. Soyez témoin que j'aurais tout tenté pour la réveiller. Et je lui balance le cochon à la figure. Wow. Pas l'eau, mais ça va cruchon, pas, non. Pas. Mais c'est pas une façon de réveiller les gens. Ah, eh ben dis donc, Lily, j'ai cru que tu travaillerais jamais. Bah c'est ça, oui. Avant d'envoyer ça sur les gens, généralement, on est gentil avec eux pour les réveiller. Je vous avez été éduqués, là, tous, mais... J'ai tout tenté pour te réveiller. Oui, c'est ça, oui. C'est de mauvaise humeur, ce matin. Bah, tiens, il faut qu'on descende, il est déjà bien avancé. Allez, si tu veux manger quelque chose, dépêche-toi. Oh, j'ai pas faim, là. Oui, bah moi aussi, j'avais faim. Et Birgit fait un très bon petit déjeuner. C'est un déjeuner qu'elle vous a servi. Hein. Oui, c'est ça, j'appelle ça. C'est un brunch, quoi. C'est ça. Je sais pas si le terme brunch existe. Le terme brunch a survécu. On a brunch. Exactement, voilà. Mais en tout cas, t'es en pleine forme, hein. Ça t'a fait du bien de manger. Hein. Oh, mais c'est honteux, quoi. Et encore.
Camus avait d'autres suggestions pour te réveiller, mais j'ai choisi celle qui me paraissait Moi, la je suis moins. en bas, je mange, je nie tout. Ouais, enfin, votre perception de ce qui est bien et ce qui est mal dans le groupe étant ce qu'elle est, ça se trouve, j'aurais préféré la sienne. Hein. Parlant de ça. Alors, ta perception. Je lui fais un petit signe, je lui fais un petit signe sur le pack de brûlure qui dépasse légèrement de sa poche, histoire de le ranger alors qu'il y avait. Bon alors raconte-moi cette nuit. J'ai bien dormi, comme un loir. T'as bien dormi, et je hein. Je me suis réveillé. Ouais, tu t'es réveillé et t'avais mal? Oh. Ouais, j'avais assez mal, mais. Ah, le coquin. Mais c'est passé après avoir bien mangé. Ah ouais. C'est peut-être pas ce que je crois alors. Je crois que décidément, regarde, vous allez tous me décevoir les uns après les autres. J'ai vraiment l'œil, enfin le sourcil qui se lève. Non, rien, laisse tomber. Où tu vas en venir? Non, rien, okay. J'ai essayé de t'aider et ça a pas marché. Bon, eh ben écoute, prends le temps que t'as besoin pour te préparer. Mon... Ça marche. Ah ben, je t'attends en bas. Du coup. Sûr. Je fais un soupir, tu sais, et puis je hausse les épaules et je redescends. J'ai réussi. Je vais dire aux deux gars, bon, je crois que j'ai réussi à la réveiller à peu près, honnêtement. Je crois pas qu'elle ait très envie de se réveiller maintenant. Alors si on est pressé, quelqu'un d'autre le fasse. Moi, la diplomatie, j'ai donné, ça y est. Ah oh oui, c'est clair, t'étais tellement diplomate. Et je me suis fait embarrer. Je lui ai fait quelque chose hier? Je crois pas, c'est plutôt elle qui a fait des choses. Mais... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait faire des choses, mais. Ah bon? Tu descends rapidement ou pas? Vomir sur des gens. Moi non. Ça... Je descends bon, pas du tout rapidement, non. J'entends des pieds qui traînent dans le couloir en haut. Non, mais il n'y a même pas de pieds, je suis couché, point final. Bah attendez, oh, vous avez vu la soirée qu'on a passée? Je me suis donné, moi, pour cette soirée, hein. Et en fait, t'es une petite nature, tu tiens pas du tout. Une petite nature de... Mais oh, tu sais, tu as dormi la moitié de la soirée. C'est moi qui ai tout fait, hein, je vous signale. Non, mais on n'a pas dormi, mais on est debout. Hein. On n'a pas dormi tellement. J'ai pas dit qu'on avait été efficace. Voilà. D'ailleurs, ton mollusque frétille, hein. Là, ah, c'est Didi qui passe à côté ça. De Lily. Je pointe un peu le mollusque dans sa direction, tu vois, avec le regard suspicieux. Voilà. Quand tu passes juste à côté d'elle, ça frétille. On n'aurait pas des sortes de lunettes de soleil dans cet univers? On peut considérer que tu peux en avoir. Hein. Ouais, parce que là, c'est ce qu'il va me falloir. Hein. D'accord, bon, tu sors des petites lunettes d'aviateur, tu sais, de skier d'anciens. De skieur, tu sais, des années 60 avec le cuir sur les côtés. Ouais, il faut bien ça, là. Bon, elles sont un peu fissurées, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Tant que ça m'évite la lumière du jour, là, elle brûle. Bon, voilà, tous à table, encore une fois. Tu fais avec ça, Lily. Ce brunch, on va dire. Eh oui. Sensibilité à la lumière, évidemment. Ah, sensibilité à la lumière. Oui. C'est vrai que tu m'avais parlé de ça, Karen. Exactement. Ouais, Lily. Une mauvaise idée. Vous pouvez arrêter de parler pour rien dire. J'approche le mollusque d'elle et ça fait... Oh, enlève ton machin là, tu gigotes. Ah, il gigote pour une bonne raison, hein. Ouais, ben, il y a autre chose qui devrait gigoter pour une bonne raison et qui a pas gigoté hier, hein. Il y avait de la brûlure hier soir. Ben, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été très chaud dans ta chambre, hein. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé. Carl m'a épargné la brûlure, c'est parfait. Oh, ils t'ont tout épargné, t'inquiète pas, hein, ils t'ont totalement épargné. Et vierge de toute nouvelle expérience. Eh bien, j'en suis bien contente. Octave, tu Carl. Sens la lettre dans ton manteau à l'intérieur. Je sens la lettre? La lettre. Eh ben. Non, tu sens la lettre, elle se rappelle à toi, quoi. Le scénario te toque à la pointe. Ah, le scénario te dit. Mais oui, mais je pense qu'il est temps de retourner à Arme pour valider l'échec de notre mission. Échec. Comment ça, échec? On a trouvé la fille. Nous n'avons pas ramené... Non, mais je crois me souvenir qu'on avait récupéré... Enfin... Trouvé la fille?
Oui, Mais bon, après elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut, la hein. mission Elle a était bien de la... refusé de venir, mais. La mission était de la ramener à son père. C'est un échec. Même si nous y mettrons les formes, ça n'en reste pas moins un échec. Néanmoins, Imagine. je pense que c'est moins grave que prévu, puisque personnellement j'ai une opportunité professionnelle dans cette ville. Je pense que les répercussions de cet échec ne seront que mineures. Au pire, nous ne toucherons pas Après, la deuxième monsieur le partie de juge. notre solde. Monsieur le juge, là, si vous devez venir habiter ici, de toute façon, vous dites à votre copain que vous gardez un œil sur sa fille et que vous restez pour garder sa fille à l'œil, que tout aille bien, et puis voilà. Sais que, et là, je marque un temps, t'sais, un temps de réflexion, tu vois. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Ça va faire Sérieux? passer toutes ces nuits à la. Sérieux? Vous êtes. À l'épave? Enfin, on va quand Ah même pas mentir. non. On ne va pas mentir, mais disons que je pourrais éventuellement faire savoir à cette fameuse Léane que si toutefois elle venait à changer d'avis, qu'elle pourra toujours compter sur moi pour lui faire quitter la ville. Avec Elle ou a un souci, contre, Kabuki. l'assentiment de Je tous crois ces pas qu'elle oiseaux de va. malheur qui tournoient autour d'elle. Pas qu'elle va te fuir comme la peste. Oh. Ce qui s'est passé hier. Des fois la peste n'arrive pas à la fuir. Une En main même pas temps, lavée, si elle ne quitte personne pas qui bouge l'épave, dessus. techniquement, je saurai toujours où elle est. Une mission qui risque de prendre beaucoup de temps. Ah mais. Et le paiement risque de se faire attendre aussi. Ah mais ce sera un paiement mensuel, je pense. Je pense pas que ça va la faire d'un paiement, c'est Toujours beaucoup. est-il qu'il va falloir vendre cette idée à notre employeur, ce qui ne va pas être D'accord. une chose aisée. Je propose que nous retournions prendre nos véhicules et que nous Écoute. fassions l'aller-retour à Arme. Puisqu'en moto, mais combien de temps? Je crois qu'en dans la journée, on peut faire l'aller-retour, Ouais, dans la fin, une grosse demi-journée, quoi. non? Au pire, on peut passer une nuit à Arme et revenir demain matin. Oui, bien sûr. On Oui, ira bien sûr. manger dans cette petite auberge à Arme. Ça. Vous arrêtez jamais de manger? Manger, c'est la vie. Tu veux faire une journée de moto sans manger, toi? Oh, on va faire de la moto. Vous voulez qu'on Oui. aille à Arme? Encore petit que les motos soient encore. Non, mais ça, avec le truc qui secoue et tout, Tu oh monteras non. derrière moi. On fera des petites pointes de vitesse. Oh non. Ça te plaisait la dernière fois, tu t'accrochais partout. Ah bah c'est sûr, hein. Aujourd'hui je suis pas d'humeur. C'est ta faute, Guillaume. Quoi? Et le MJ qui est dépité qui se dit bon, je crois qu'on Moi je suis pas dépité, hein. on continuera pas le scénar ce soir. On devait finir la semaine Il dernière. manque 10 minutes Allons de chercher ces scénar. motos. En plus, la semaine dernière, il Ok. fait ouais, mais il y a à peu près 10 minutes Oui. hein, de scénario, pas plus. Hein. Ça fait 2 heures qu'on est là, quoi. C'est ça. Je suis habitué. Du coup, on va peut-être remercier bien vite et. On lui dit à bientôt. Et je Alors, lui vous dis. laissez vos chambres, vous les gardez? Non, non, on les garde pas, mais. Par contre, je glisse un petit supplément à Birgit et je lui dis le petit, là, le petit. Le gamin, là. Oui, Je veux le plus le petit voir Ayak. ici. Hein. Il C'est pas part pas lui. avec vous? Non, il n'est pas avec nous. Je lui ai peint la main en bleu. C'est un criminel en puissance. Hein. Je vous conseille de le fuir comme la peste. Je ne veux plus en Ayak! entendre parler. Au courant? Tout le monde est au courant. C'est la décision d'un Ah bah juge. je ferai attention, juge. Ah, je compte sur vous. Oui, comptez sur moi. Vous n'hésitez pas à prendre toutes les mesures qui s'imposent à votre jugement dans le but de l'empêcher d'être ici. On va revenir là, je Elle suis te regarde, lost. mais tu crois qu'elle n'a pas compris ce que tu viens de dire. Bon, je compte sur vous. J'irai prévenir les juges. Oui. Je le vois. Une fois Donc qu'Octavio il s'est un peu écarté. vous rendez les chambres. Oui. Mais on reviendra Il est bientôt. encore plus propre qu'avant, tu vois. Une fois qu'Octavio s'est un peu écarté, qu'il fait autre chose, je vais glisser à Birgit. Mais pas trop dur avec le gamin, c'est. Je crois que C'est ton fils, notre ami Ayak. est juste un petit peu mal du nez depuis hier soir, mais. J'ai Il compris, ne pense oui. pas tout ce qu'il dit. Je prends note, oui. Je suis sûr que oui. Donc vous réglez 10 lettres de change en 7 pour là. Ouais.
parce qu'on est resté. Et vous vous rendez donc à la fameuse caserne où on va dire que voilà, vous aviez dépassé plus ou moins les motos dans la caserne où Octavius en passait à rencontrer son nouveau supérieur, le juge Vigmar. Et vous les retrouvez là, donc effectivement. Prêt à l'emploi. Ah bah écoute, je. Voilà, je vais saluer d'abord le mec en faction, comme il se doit et tout. Je vais papoter un petit peu avec lui, genre 5-10 minutes, tu vois, et puis je vais le remercier du travail qu'il fait. Ok, mais il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, tu récupères les Girolager, personne ne te regarde, t'es juste, voilà, tu récupères deux motos. Les réservoirs sont vides, donc vous remettez le dernier bidon, le dernier Jerrycan. Ce qui nous permettra de faire l'aller-retour, non ? Dans chaque moto, oui, il y a de quoi faire l'aller-retour, pas plus. Hein. Parfait. Comme ça, une fois de retour, on vend les motos. Si vous voulez. Vous voici parti. Ouais, donc, à travers les routes poussiéreuses de la Borca, pour remonter tout doucement sur Arme. Est-ce que vous repassez par le Godet ? Oh bah oui, je pense que c'était sur la route, non ? C'est le plus rapide. Ouais. Faire une petite halte, manger un bout et retirer. Bon, je vais rechanger la corde. Hein. Surtout en moto, tu sais, on n'en a pas pour longtemps quand même. Hein. Non, non, vous arrivez en fin d'après-midi hein, sur le Godet. Ah non, vous êtes parti à peu près, il était 1h30, 2h. Hein. Ouais, 4h, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Une grosse demi-journée, quoi. Et on a passé l'après-jeûne, quoi. Et la collation de 14h. Ça. Voilà, donc tout de suite vous arrivez et le juge Luce vous accueille. Oh, ça fait bien plaisir de vous revoir. Ouais, plaisir partagé. Parlez-moi fort s'il vous plaît. Alors c'est bon, juge juge Magnus, tout est redevenu en ordre ici? Oh oui oui, même mieux. J'ai les j'ai vos collègues en regardant Octet. Qui viennent souvent en fait à l'auberge reprendre quelques provisions. On a des clients plus maintenant. Non, c'est bien. Ils sont restés dans le coin. Vous posez un petit peu d'eau. Ils travaillent sur le site. Ah bah les gens avec qui vous étiez la dernière fois, oui. D'accord. Il y a plusieurs. On fait plusieurs allers-retours là-bas. Vous savez pas ce qu'ils font? Oui, d'après ce que j'ai vu, oui. Ils vous ont pas dit ce qu'ils faisaient? Ils vous ont pas. Allez, suivez-moi l'auberge, je vous paye un coup. La dernière fois qu'on a bu ici, ça s'est mal passé quand même. Hein. Oui, mais grâce à nous, ça s'est mieux passé. Ouais. Ouais, vous voyez encore les traces de sang par terre, j'enlève pas les cadavres. Il y a encore les traces de sang par terre. Ah, vous les avez laissés, intéressant. Je vous remets sur la map. Donc vous voyez encore les traces de sang par terre. Bon, ça a été lavé, mais on voit quand même quelques taches brunes. Hein. Madarkois est contente de vous revoir. Elle vous apporte une carafe d'eau. Elle le donne à Karl et une bouteille de distillat. Et le chat sec, avec, il va mieux je sais que oui, il va mieux, il est toujours au lit, là. Mais oui, je vais le faire descendre pour qu'il vous remercie. Non, vous ne tenez pas la peine s'il dort. Vous lui passerez le bonjour de notre part. Oui. Elle descend. Repose, c'est important. Elle descend un broc de bière aussi. En parlant de dormir. Ouais, on va repartir là. Ah d'accord. Je tenais à vous remercier, hein, juge Octavio. Ah, je n'ai fait que mon devoir, voyons. Oui, non, mais quand même, fallait penser. Hein, je vous remercie. Hein. Ils sont passés récupérer les cadavres des vagabonds que vous avez explosés. On leur avait dit qu'il y avait des vagabonds. Ça, ils. Bah, ceux qui étaient envoyés par le juge Octavio. Ils sont présentés. C'était quand ? Oui, hier. Hein. J'avais tout juste le temps de creuser une tombe. Vous imaginez que j'ai que ça à faire. Et puis bon, je suis pas de jeune. Je suis pas tout jeune, donc ça prenait un peu de temps. Et au moment où j'allais mettre l'un des quatre cadavres dedans, ils sont arrivés avec un buggy. Et ils se sont présentés comme quoi ils travaillaient avec le juge Octavio. Et qu'ils venaient récupérer les cadavres de ceux que vous avez zigouillés. Y a rien qui me semble suspect là, c'est par rapport à ce que j'avais fait moi dans mon truc.
Pas du tout. Non? Bah ça pue, on est d'accord. Ah, pas du tout, t'as... J'ai un buggy. Parce que j'avais prévenu... T'avais prévenu, mais... Parce qu'ils m'ont dit qu'ils essaieraient d'envoyer quelque chose. Vont déplacer d'autres personnes pour récupérer les cadavres. Ça t'étonne complètement. Surtout, c'est des cadavres, enfin, c'est des anciens chroniqueurs, a priori, donc... Ouais, et surtout des buggy, quoi. Qui... Mon voilà. Père, il serait venu à cheval, quoi. Voilà. Ça souffre, cette histoire. Alors tout ça est bien gentil, monsieur le juge, mais on a envoyé personne. Ah bon, moi je sais pas, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont récupéré les cadavres, ils ont mis dans leur morgue, ils sont partis vers Justicienne. Ils ressemblaient à quoi, ces gars-là? Oh, comme tout le monde, là. Ils avaient un bon manteau pour se protéger des tempêtes de poussière, une bonne capuche, des foulards sur la figure, voilà, comme tous les voyageurs. Oui, donc c'est pas des juges. Des juges. Ah non, ils ont pas dit qu'ils étaient juges, ils ont dit qu'ils travaillaient. Mais est-ce que vous avez vu leurs oreilles? Tu regardes quand tu lui dis ça. Vous avez rien vu? Est-ce qu'ils avaient des boucles de... Enfin, ils étaient percés au niveau de l'oreille? Non, j'ai pas regardé leurs oreilles, j'avoue. J'aurais dû. Non, mais c'est pas ça, mais c'est un détail qui ne trompe pas. Ils avaient eu des oreilles percées en triangle. Ça ne vous aurait pas échappé, je pense. Et c'est pas un détail que vous avez perçu, a priori. Non, non, non. D'accord. Non, mais attends, ils étaient bien emmitouflés, hein. Question au RP, quand un juge comme ça se présente à quelqu'un, il a une espèce d'insigne ou un document officiel ou un sigle? Il a la tenue des juges. Ouais, mais je veux dire, une tenue de juge, c'est quand même relativement simple à imiter, quoi. Oui, une tenue de juge, un marteau, il n'y a pas de... Le codex. Il y a un codex, voilà, il y a des éléments qui reviennent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui voudrait vérifier de l'identité d'un juge, il a quel moyen pour le savoir, en final? Ah bah aucun. Voilà, n'importe qui. C'est ce que je dis, n'importe qui se prétend juge et puis ça peut passer, quoi. Comme n'importe qui est le policier, gardien de la paix, quelqu'un bien gardien de la paix t'arrête, tu vas pas lui demander ses papiers. Ah si. Complètement. Non mais gardien de la paix en lui-même en uniforme, tu vas peut-être pas lui demander le papier. Ah si, pour avoir son nom et puis pour me plaindre pas à mon pote qui est au commissariat. Mais Attends, il me demande mes papiers, il peut laisser un homme mort, sinon. Ah non, bah, c'est une sorte d'uniforme. Tiens, hein. Les miens. Ok. Une sorte d'uniforme. Donc voilà, il vous sert, vous rafraîchissez assez rapidement. Jacek descend, il boite, ils ont fabriqué une sorte de béquille, hein, de béquille qui pourrait permettre de marcher. Il te serre la main, Karl, ils vous remercient tous. Il a du mal à parler, hein, ils vont fracturer la mâchoire. Oui, moi ce qui m'inquiète, c'est que les mecs, ils connaissent le prénom de... Octavio. Ils connaissent le prénom de... D'Octavio. Ouais, d'Octavio, voilà, du juge. Bon, après, il s'en cache pas beaucoup, mais... Totalement. Après... Oui, mais qui a eu l'information? En fait, c'est plutôt qui a eu l'information que c'était Octavio. Ça veut dire qu'il y a des juges qui bossent avec ces faux chroniqueurs? Bah non, c'était pas des juges, à mon avis. On ne sait pas si c'est lié. Ouais, mais comment... Qui a pu donner l'information pareil? À qui était au courant de cette affaire des... Il y a des chroniqueurs et des juges, je sais pas qui est au courant, en fait. Bah, qui est au courant? Il y a, ah bah là, je vous laisse. Hein. Moi, j'ai, il y a celui, laisse, hein. Celui qu'on a traqué dans les conteneurs, là, mais a priori, je vois aucune raison pour lesquelles il. Faire ouais. Non, je vois pas trop pourquoi. Il y a pas de raison. Par contre, on peut peut-être demander à. Il y a mon collègue à qui j'en ai parlé, là, justement, à qui j'ai fait un compte rendu à la suite de. Quand on a vu le fer blanchier, justement, juste après, j'en ai parlé. C'est lui qui m'a dit qu'ils enverraient peut-être des gens à armes, mais bon. Bah voilà, c'est un ripou. Il est corrompu. Mais De mémoire, tu leur as précisé ce qui s'était passé. Tu avais l'alcove secrète. Moi, tu n'auras pas précisé les cadavres. Je suis pas sûr. J'ai pas souvenir d'en avoir parlé non plus des cadavres. Hein, mais on peut demander à Token. Lui, il est à côté. Il a peut-être vu les gars passer. Il en sait peut-être plus. Celui qui gère l'alcove à clé. Bien allez. Pas de confiance, mais admettons. Il nous a pas donné de raison de me fier de lui particulièrement. Donc vous le trouvez, hein, dans son alcôve. Il est a priori beaucoup plus occupé qu'il ne l'était. Tu peux faire un jet de technique si tu veux, Ayark, lorsque vous entrez dans dans l'alcôve. Bon, les autres, vous voyez toujours les mêmes informations sur les écrans. Il a l'air assez captivé par ce qu'il fait. J'ai plus de chances de comprendre ce qu'il y a sur les écrans que de voir un détail, moi.
C'est bruit de 2D. C'est ça. 2. Ouais, t'as quand même réussi, ouais, même si t'as 2. Hein. Si t'as 2 échecs. Donc, effectivement, les données ont changé, hein, ce que tu vois sur les écrans. Il semblerait qu'ils soient en relais de l'alcôve hein, que vous avez découverte, enfin, l'alcôve secrète. Je vais connecter à l'alcôve qu'on a découverte. Oh, bah, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Oh, bah, d'ailleurs, comment ça va? Je crois que je me parle à moi-même. Ça va. La mission a été plutôt difficile, mais on est sorti. Bah écoutez, comment ça, ils t'ont demandé le centre, enfin le serveur principal qui t'a. Ah ouais, les chroniqueurs qui sont. Ouais, les chroniqueurs qui sont à l'alcôve. Ouais, enfin, le même groupe qui est venu la dernière fois avec moi, avec vous. Ils ont envoyé combien de types là-bas du coup? Ouf. Là comme ça, je sais pas. Abus de nez. Imagine qu'ils viennent de temps en temps au Godet pour se réapprovisionner. Bah, exactement, je pense qu'ils sont une demi-douzaine. Demi-douzaine? Ah, oui, quand même, c'est pas mal. Oui, ils ont commencé à essayer de reprendre le contrôle de l'alcove, quoi. Oui, enfin, moi ils me demandent de faire des copies des données. D'accord. Je fais des copies des données. Et t'as pas trop de données corrompues? Avec bah écoute, non, par rapport à ce que je vous avais donné, non, je l'ai repéré assez vite. Mais non, c'est intéressant. Maintenant, je sais pas ce que ça signifie, mais... Ouais. Tu veux pas jeter un œil à ces données, toi? Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Bah oui, en plus, ça change. Ça change que des lignes de code qui me disent que ça fonctionne bien. Là, c'est un peu plus intéressant. C'est sûr. Et en même temps, c'est plus inquiétant. Ouais, corrompre le flux. Bah écoute, hein, c'est quand même sécurisé, là. J'envoie ça sur un canal sécurisé. J'espère, hein. Mais on croyait aussi que les données du serveur central étaient sécurisées et pourtant elles transitaient par cette alcôve. Comme quoi, hein, il faut être prudent. Mais en tout cas, on a. Merci pour ta contribution. J'ai oublié à quel point tu peux nous aider à démanteler cette alcôve. C'est moi qui t'en remercie, hein. Après, quand il y a un paradigme qui me demande de faire quelque chose, j'obéis, hein. Très bien agi. Je t'entends assez mal, excuse-moi. Non, j'ai dit juste qu'il avait bien agi, mais je vais pas non plus. Je vais pas insister parce que j'ai pas trop fait confiance. Maintenant, j'ai eu un poil plus confiance dans le sens où bah, c'est vrai que ce qu'il avait fait, c'était pas. Enfin, il nous a plutôt aidé, quoi, d'une certaine manière. Entre guillemets, parce que ça nous a foutu dans la merde, son truc. Et en vrai, le programme. Ça a trop bien marché. D'ailleurs, je vais lui demander le programme que tu nous avais donné. A priori, quand il l'a examiné, ça a tout de suite déclenché une sécurité. L'alarme de sécurité, comment ça se fait? Bah, il a dû être repéré. Maintenant, c'est étonnant, hein. Il me semblait quand même l'avoir bien traficoté. Je l'avais bien codé. Je suis étonnant, c'est étonnant qu'il ait. Du moins, c'est repéré, il devait avoir un bon pare-feu. Hein. T'as une copie du programme que tu lui avais. Ouais, si tu veux. Hein. Je veux bien la voir. Bah écoute, il t'en fait une copie. Hein, tu introduis. Voir ce qui a pu me merder. C'est pas toi, mais. Disons que. Tu veux regarder là ou tu prends une copie? Non, je vais regarder là en même temps. Ça te dérange pas, je regarde là. Bon, ça prend 5 minutes. Hein. Tu regardes, effectivement, pour toi, ça a l'air même très bien codé. Okay, c'est doit être plutôt Le but c'était tout simplement d'ouvrir un port. Hein. Ok. Je t'ai pas entendu. Non, je m'interrompais pour te laisser parler. D'accord, non, mais tu vois, il est bien. Il est occupé à faire autre chose qu'il ne faisait auparavant. Tout simplement. Ok. Bah, et du coup, c'était bien l'alcove qui était ultra sécurisé. Sûrement. Sûrement. Normalement, ça aurait pas dû être repéré. J'ai pas de soucis. Après, je suis pas encore intéressé au sujet. Ferblantier était quand même assez compétent là-dedans, il me semble, non? Pas totalement, un ferrailleur à la base. Disons qu'il avait. Sa copine. Ah, qui se faisait passer pour une chroniqueuse? Je sais pas, on l'a vu à peine et elle s'est enfuie. Et elle a failli se faire tuer.
Bon, je pense. Connais rien, mais l'installation avait l'air impressionnante. Pas eu le temps de discuter, et après, peut-être qu'elle n'est pas nickel. Je pense que de toute façon, on n'arrivera pas à faire grand-chose jusque-là. Je vous propose qu'on continue sur arme. Ouais. Bien sûr. Allons faire le boulot. Je commence à être réveillé, moi. Exactement. Ah, ça tombe bien, on reprend la moto. Bah ouais, mais. Le soleil décline voilà, et commence plus les heures passent et plus je me réveille, en fait. C'est ça, exactement. Comme les vampires. Toi, t'aimes pas la photosynthèse, toi. Hein. Toi, tu vas faire des carences en vitamine D. Hein. Tu sais que pour garder un teint beau et propre, oui. C'est important de s'exposer au soleil. Ça te ferait du bien de prendre un peu le soleil. Sauf que les clients en général, ils aiment bien les. Ils préfèrent les femmes avec la peau blanche. Ah non, moi je. Je oui, je préfère les femmes au teint un peu plus hâlé. C'est vrai, monsieur le juge ? Ah oui, j'adore tout ce qui est exotique, tout ce qui change un peu de l'ordinaire. Sachant que je suis certainement la pie avec le teint le plus hâlé de la troupe. Je suis sûr que j'ai entendu parler dans certains pays. C'est comment déjà les pays là où t'as le clan des. Tu sais, des Africains, là, ceux qui sont pétés de thunes. L'Africa, voilà. L'Africa. J'ai entendu dire que les femmes d'Africa étaient parmi les plus belles du monde. Non, c'est clairement surfait. Croyez-moi, c'est surfait. Donc vous prenez les... On était à l'épave. C'est vrai que c'était des jolies femmes. C'est vrai, je les ai pas vues, j'étais en mission, je ne peux pas... C'est ça. La preuve, tellement joli qu'il les a pas vus. Oui, mais quand je suis en mission, j'occulte tout le reste. Je sais pas si j'aurai le courage de retourner là-bas juste pour les voir. Oui, moi non plus. Moi, par contre... Je dois vivre dans la ville. Oui. Ah, je me verrais bien me marier à une belle africate. Je sais pas si ça se dit comme ça dans ce jeu. Voilà, une belle africaine. Vous ne pouvez pas le dire et vous voulez vous marier avec. Qui aurait beaucoup d'argent et qui me permettrait de couler des jours heureux dans une belle maison. Parce que vous savez, la justice, le crime paye, mais pas la justice. je ne te sais pas si ambitieux, Octavio. Moi, je me dis, mon enfant intérieur, parce que je lui dis pas à l'oral, parce que je vais me faire défoncer, mais il ferait une super pie en fait. Octavio, il a des aspirations de pie, quoi. Alors Octavio, on sait très bien que si tu ne donnais pas un peu de coups de marteau de temps en temps, tu t'ennuierais. C'est vrai. Une vie trop calme, ne tirer. Mais il y a plusieurs manières de manier le marteau, tu sais. Oui, d'ailleurs, en parlant de cela, il est temps de rendre justice. Allons-y. Comment ? Justice ? Donc vous prenez le moto, environ 2 heures de voyage encore. Et vous arrivez juste avant la fermeture des portes de armes. Les portes qui se ferment et tout. Voilà. Le soleil commence à décliner, voire disparaître à l'horizon. Arme qui paraît quelque peu insipide. Ah bah oui, honnête. Je confirme. C'est petit. Voilà, quelque peu insipide, comme un... Vous n'avez pas quitté Arme depuis très longtemps en fait, vous avez fait 48 heures, 48, 72 heures. Un peu plus, non, on a mis 3 jours. Ouais, 3 jours, je crois. C'est l'impression que ça fait des mois. Ça fait des mois. Effectivement, c'est la ville que vous connaissez par cœur, mais voilà, elle est plate, insipide. Même le retour dans vos lieux de vie, pour les lits, la nuée, la caserne, etc. Voilà, sans plus. Elle a perdu un petit peu de son de sa robe. Ouais, ça me surprend pas. Après ce que j'ai vu. Voilà, moins de monde, des rues désertes. À partir du moment où il commence à faire nuit, moins de tout, moins même l'alcôve qui diffuse les nouvelles, la voix qui est diffusée au sein de l'alcôve, vous paraît. En un mot commençant, c'est moins excitant, quoi, c'est tout. C'est un cadre parfait pour prendre sa retraite ici. Ouais, génial, la retraite c'est jamais en fait pour moi. La retraite ? Regarde Donna. Tu t'occupes plus que de lire les cartes aux gens qui viennent. C'est ça, il arrivera bien un moment, Lily, où physiquement tu ne seras plus en mesure de fournir certains services.
Ouais, je dépérirai, je mourrai seul. Ne t'inquiète pas, Mais si riche. ça peut te rassurer, avec ton rythme de vie actuel, ça n'arrivera jamais. C'est vrai? Ah, on peut toujours compter sur toi, hein. Et je te mets un Ah, je coup sais. de poing heureuse dans l'épaule. Donc vous Je sais pas si elle dirigez a compris exactement ce que je sous-entendais, mais. Eh ben, on va aller voir. Discute avec Lily. Rappelez-vous la petite vieille qu'on a croisée hier? On va aller C'est la voir monsieur. notre Ouais, une commanditaire. petite vieille. Donc le père de D'accord. Léane. Tu compares à une vieille, ouais. Non, Ah, je veux dire, d'accord. Lily a encore de beaux jours devant elle. Ah. Mettre à peau encore très longtemps, de ce que j'ai pu voir. Enfin, je crois. Oui, Vous je allez crois bien. donc à la place des larmes. C'est... Ouais. C'est... C'est ça, Joli. c'est la portion de... Surnommant, dis donc. C'est beaucoup plus déserte que la dernière fois où vous l'avez quitté, qui était au milieu de la journée. Et vous voyez la lumière dans cette bâtisse régulière, entretenue, même propre, trop propre, et celle de l'avocat Aldebert Meyer. Bon, et ben bon courage, monsieur le juge, hein. Je mets un Hop, hop, humide hop, sur hop, hop, l'épaule. hop. Tu sais, puis je te. Une mission, ça se finit tous ensemble. Il a raison. Eh oui. On doit rendre une mauvaise nouvelle. On le fait Pas tous question de se ensemble. débiner. Enfin, c'était sous votre responsabilité, non, il me semble. Tout à fait, mais il n'empêche que vous avez des arguments parfois très percutants. Ouais. Vous voulez que je séduise le vieux, c'est ça, hein? Ce n'est pas Mais absolument non, pas ce que j'ai Octavio dit. n'aurait jamais pensé une telle Jamais. chose, n'est-ce pas, Non, Octavio? il ne l'avouerait jamais. Je n'ai pas encore passé de carrière pour ça. Donc voilà, Dommage, ça devient intéressant. patience, patience. Dans la saison 4, peut-être que. Voilà. Donc Octavio qui prostitue son groupe, C'est c'est ça. tout. Je tape à la porte, voilà. Vous attendez quelques instants, Lara Oui. et la gouvernante C'est ouvrent la porte hein, et surpris en vous voyant. On ne vous attendait pas si rapidement, mais allez-y, entrez. Entrez, Merci. je vais prévenir le maître. Ah, Donc, merci. elle vous fait toujours apesanter dans ce petit salon, toujours propre, toujours bien entretenu. Vous entendez des pas qui descendent de l'escalier, la porte du bureau qui s'ouvre, et Lara se dirige vers vous. Vous pouvez entrer dans le bureau du maître, il vous attend. Très bien. Je ne vois pas Léane. Ça C'est m'inquiète. normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez le juge. Vous voyez donc. Je vous change de page, je suis toujours sur Embarcourt. Vous voyez le. L'avocat Aldebert Meyer, qui se trouve assis derrière son bureau, est toujours en, il n'est pas encore en pyjama, on va dire, il est encore en habit de journée. Bonjour, messieurs, je suis surpris, je ne vois pas Léane. En effet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, commençons par la mauvaise. Léane ne reviendra a priori pas. Il te regarde avec des yeux ronds. Comment ça, elle ne reviendra pas? Nous avons retrouvé la trace Je ne de lui laisse pas Léane. le choix. Nous avons retrouvé la trace de Léane. Elle va bien. Elle semble satisfaite de sa nouvelle condition. Mais elle nous a fait part de son refus de vouloir revenir à Arm, préférant vivre sa vie d'adulte récente, visiblement, ajusticienne. Mais il ne faut pas lui laisser le choix, ramenez-la de force. Alors là, je sors le codex et je lui fais, selon le codex, alinéa 36, paragraphe Je le 14. connais par cœur, je le connais par cœur. Si Vous vous engagez, c'est pour... comprenez donc qu'il m'est impossible de revenir avec quelqu'un de force contre sa volonté. De plus, cette personne m'a signé une décharge, une lettre que voici. Donc je lui tends la lettre de sa fille. D'accord, il l'ouvre frénétiquement. Il la parcourt rapidement. C'est bien son écriture. Ah! Je suis sûr qu'elle est manipulée. Évidemment. Naturel. Sûr qu'elle est manipulée.
Nous avons fait J'ai tout notre. déjà programmé sa fiançaille. Il faut, j'ai engagé des frais. Ah, peut-être pour ça en fait qu'elle est partie. Nous avons Ah, mené excuse-moi, je n'avais pas parlé, c'est vrai. notre mission à terme de A à Z. Il nous paraît improbable qu'elle soit manipulée. Elle est véritablement là-bas de son plein gré. Bon, la mission, c'est que vous le rameniez. Pas que vous me donniez ces nouvelles. Encore une fois, On est bien d'accord. la mission est. Je ne peux aller à l'encontre du codex. Vous le savez très bien. Si elle ne Ouais. désire pas revenir, il n'est légalement impossible de la ramener de force. Mais elle vous Mais vu que a. nous avons tout tenté. Elle vous a payé? Absolument pas. La Elle vous a justice fait des faveurs, comme elle avait n'accepte. fait avec certains hommes, j'en suis persuadé. La justice n'accepte aucun pot de bain, voyons. Je suis surpris que vous osiez. Que vous osiez. Enfin Monsieur voilà. Aldebert, vous avez vraiment une piètre opinion de votre fille pour penser qu'elle puisse agir ainsi. Je la protège. Malheureusement, Et sans où qu'elle est-elle puisse alors? vivre. Dites-moi. La justicienne. Non, mais ça, je l'ai bien compris, vous n'êtes justicienne. Vous m'avez dit que vous partiez à justicienne. Ah. Mais où est-elle, la justicienne? Elle a laissé son adresse, je pense, sur la lettre. Non. Non. Donc je lui donne le Dernière. quartier, elle est dans la ville basse. Dans la ville basse, c'est énorme. Je me doute bien qu'elle n'est pas dans la ville haute. Je Ah non. suis déçu, juge Octavio. Je comprends. Votre fille est dans le quartier des nuées, c'est devenu une pute et c'est une très bonne chose pour Oh elle. Vous pouvez lui arriver nue. Ah, quand tu vois On ça, est là. tu vois sa mâchoire qui descend d'un seul coup. Bah ouais, mais en même temps, il cherche là. C'est Comment bien ça? sûr ton adresse préférée, alors. Quelle Je t'en pute! aide pas beaucoup d'autres. Lily ne voulait pas dire ce mot, mais disons que votre fille Ah, c'est comme ça que vous est m'appelez moi, contraire. alors. Ah non, Je ne pense l'appelez pas comme qu'elle ça. elle Vous me s'essaie à faites de la nouvelles sortir! expériences. C'est une manigance, on connaît toutes ces langues de petites vertus qui lancent des rumeurs et des Ah mensonges. ouais? Parce que Elles vous sont, connaissez si les. elles ont deux lèvres, c'est qu'il y a une raison! Vous connaissez les langues des pieds alors, monsieur? Oh, évidemment, je les connais! J'en ai Quoi la beaucoup langue? fait condamner! Si vous connaissiez vraiment nos langues, vous ne diriez pas ça. Mais vous devez me ramener ma fille, je vous ai payé en conséquence! Ah non, techniquement, la deuxième partie, c'était pour revenir, justement. Nous n'avons pas ramené votre fille. Je considère que vous pouvez garder la seconde partie de notre solde. Nous concernant, enfin me concernant en tout Mais en cas. plus, vous êtes des voleurs en plus! Absolument Vous me pas. spoliez, vous spoliez ma famille, vous spoliez Par le contre, il legs va se. qu'allait me donner ma fille. Quoi? Ah, c'est pour ça! Vous avez Ah. besoin des thunes de votre fille, en fait. Pas du tout, vous savez très bien comment ça fonctionne. Ah ouais, je sais très bien Ah, comment ça nous fonctionne, ouais. nous marions entre gens de bonne compagnie et nous devons des services réciproques. Vous êtes ruiné, c'est ça l'histoire, hein. Pensez-vous, pensez-vous. Mais vous ne Je ne pense pas l'emporterez qu'il pas. pêche. J'en référerai à plus haut. J'en référerai au commissaire Carfel, un très bon ami que vous devez connaître, juge Octavio. Absolument, c'est mon ancien employeur. Maintenant, je suis sous les ordres du juge Wigmar, justicienne. Si vous voulez, je peux vous C'est ce donner qu'on va ses voir. coordonnées. C'est ce qu'on va voir. Je vais en parler dès demain matin, le petit déjeuner au juge Carfel. Très Et bien. du coup, vous allez lui dire quoi? Que vous comptiez sur votre fille pour éponger vos propres dettes, Je en n'écoute fait? pas Attends, vos calmons-nous. insinuations, elles font saigner Calmons-nous, mes calmons-nous, s'il chastes vous plaît. oreilles. Nous ne sommes pas là pour vous blâmer, nous ne sommes encore moins là pour nous faire insulter. Nous étions juste là pour vous donner les nouvelles de votre fille, et je pense que c'était la chose la plus importante, c'était tout de même que votre père vous ayez des nouvelles d'elle. Maintenant, effectivement, il est apparu qu'en tant que personne, a priori, d'âge suffisant pour prendre sa décision elle-même, il était dans son droit de diriger sa propre vie. Mais nous ne pouvons pas aller contre la loi, le juge vous l'a dit. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Maintenant, si vous pensez que vous êtes effectivement lésé, il est dans votre droit effectivement de porter plainte contre vous, mais Mais je vous suis la risquez. loi. Moi aussi. Maintenant, On verra dans quelques dizaines d'années. je pense Mais c'est une que. sûreté. Je ne veux plus vous voir et vous ne l'emporterez pas au paradis. Eh bien, si vous aviez mis autant de vigueur à l'éducation de votre fille que celui de nous chasser, peut-être que nous en serions pas là. Et Vieux, il puis n'est je m'en pas vais. question de. Oh! Non,
Là, tu sens que Toggy tape le poing sur la table. Il est vraiment. On ne m'a jamais parlé comme ça. Je vous ferai arrêter. On vous coupera la langue. C'est regrettable que nous ayons à nous quitter en de telles circonstances, mais croyez bien que nous avons cru bien faire. Au revoir, monsieur. Et oui, vous vraiment, il claque la porte. Attendez, Karl est resté. Moi j'étais là, je disais rien. C'est l'électro-bâton. Il prend ton décélérateur, il le jette à la porte. Il touche pas mon dilacérateur avec ses mains pleines. Le poulpe qui s'enfuit dans les escaliers, tu sais. Mais non, je suis les autres, vraiment. Bon, bah ça s'est bien passé. Non, mais elle était. Et alors, vous trouvez sur la place des larmes. Oui, c'est le cas. C'est ça. La place du sel, ouais. Ah, mais c'est pas les nôtres. Lily passe la main dans sa poche et elle retrouve cette petite boîte. Par cet objet, par quoi tout commençait. Oui. Cet objet que tu avais trouvé dans la chambre. Et tu l'as toujours sur toi, ce petit. Oui, la petite boîte avec les deux senteurs différentes de brûlure. Ah, d'ailleurs, mm-hmm. Deux senteurs, mais t'en as reconnu une maintenant. Ah, ouais. L'unité. Ouais. Écoutez, je connais très bien ces brûlures, j'en ai consommé moi-même. C'est comme les cartes Pokémon, quoi. Je peux vous dire que c'est de la bonne. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Bon, la nuit est tombée. Dites-vous que là c'était la partie facile. Maintenant je dois annoncer la nouvelle au commissaire Carfel. Ça va pas être la même. Là, tu peux pouvoir faire la grande gueule. Bon, bah écoutez, hein, moi c'était simple d'y aller. Hein. Et bah bonne nuit, Octavio, bonne chance. Bonne on est pas chance. Censé rentrer dans la caserne, tu vois. Si tu veux qu'on. Tu... Non, mais je vais quand même proposer à Octavio. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Je peux témoigner en ta faveur. Hein, oui, je veux bien, ouais. En fait, il faudrait que tout le monde puisse venir sauf Lily. Oui, j'allais dire. Je vous oh, oui. On va lui laisser les écouteurs sur les oreilles quand même. Oui. Qu'il suive un petit peu ce qui se passe. On te racontera. Bah, on n'est pas revenu à l'aube. À la moto et pas revenu. C'est ça, tu peux garder les motos si tu veux. Cool. C'est vrai qu'elle s'est pas conduite. Tu attends au bar, hein, Lily, c'est ça? Oh bah oui, attends, tu t'attends de quelque part. Dans ce fameux ouais. Bar avant l'arrière-cour. Oui. Le bar avant la fin du groupe. C'est ça. Dernier bar avant la fin du groupe. Te voici arrivé devant la caserne. Vous êtes arrivé dans la caserne, vous êtes trois. Un juge de faction. Ah, je le connais, lui. Tu vois arriver, hein, qui te sourit, oui. Te, voilà, il te sourit. Bon, hein. Oh, ça faisait longtemps, hein, juge Octavio. Ouais, une petite semaine. Deux jours. Une semaine, mais bon. Oui. Je lui fais un check de juge. Tu sais, c'est un truc genre un marteau comme ça. Vous tu connaissez sais. Vos marteaux. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il ne faisait jamais entre-cheux partout. C'est ça. Il vous laisse pénétrer dans la caserne. Hein. Il ne contrôle même pas hein, les deux autres qui sont avec toi. Hein. Oui. Voilà, donc. C'est sûr que ça change de juste bien, non ? Cette fameuse caserne où tu as fait tes classes, en fait, hein, tout simplement. Hein. Entre au premier étage, comme la première fois. Ces étages en fer et en grillage. Tu arrives donc le fameux couloir d'intérieur et tu arrives devant la porte, donc ce couloir fait de métal, et tu arrives devant la porte du juge Carfel. Très bien, bah je tape à la porte. Vous allez voir, c'est quelqu'un de super. Je tape à la porte. Je regarde Karl, c'est avec oui. Un regard tendu. Qui est-ce? C'est le juge Octavio. Juge Octavio! Allez-y, entrez, juge Octavio. Alors, j'ouvre la porte et puis je fais rentrer tout le monde. Se passer oh, vous n'êtes pas venu seul, juge Octavio. En effet, alors, je... Vous pouvez vous installer. Juge Octavio te présente la chaise. J'ai l'impression des de... amis, déjà vu. Ce sont mes compagnons pour la mission que vous m'aviez confiée. Pour la mission que Voka Aldebert vous avait confiée. On a perdu encore la connexion tout le monde. C'est juste toi. C'est juste moi. Oui. Il faudra se plaindre au chroniqueur. C'est ça. Une perte de flux, ça. Alors,
J'ai reçu un... Je suis assez surpris de vous revoir, juge Octavio. J'ai reçu un message de la capitale de Justicienne, d'un certain Vigmar qui me disait que je devrais me laisser me passer de vos services. Absolument, mais comme vous le savez, je mène à bien toutes mes missions. Aussi, j'ai voulu vous présenter mes respects avant de partir demain pour la capitale, en vous disant que la mission que vous m'avez confiée a été menée à son terme. Respect est un grand mot. Disons que vous avez... Comment je pourrais dire? Vous avez terminé la mission que vous avez confiée l'avocat Aldebert? La mission est terminée, oui. Il me semblait que vous avez demandé de récupérer sa fille. Tout à fait, mais comme vous le savez, paragraphe 14, alinéa C, nous ne pouvons obliger personne contre sa volonté à nous suivre. Ce serait du kidnapping et je ne suis pas un criminel. Je me suis. Demi-réussite, on va dire. C'est une demi-réussite, mais une réussite tout de même. Alors, c'est assez gênant. Ce qui aurait été C'est gênant, assez c'était un gênant parce échec. que... Non, c'est assez gênant parce que je peux pas demander aux personnes comme le juge, enfin l'avocat Aldebert, de me devoir des demi-services. Ça n'existe pas, les services, les demi-services. Donc, pour l'instant, on va dire qu'il ne me doit rien. Donc, si je résume bien, vous n'étiez pas, on va dire, des plus assidus en ce qui concerne la doctrine des juges. Vous étiez plus ou moins pantouflard dans votre responsabilité de garde des portes. Vous vous installiez dans une petite routine. Vous avez du mal à remplir une simple petite mission qui était récupérer une petite jeune femme dans la Je peux me capitale. permettre la Non, je ne vous mission. permets pas. Je ne vous permets pas. Non, non, non. Voilà, je ne vous permets pas. Voilà, vous êtes là parce que vous accompagnez le juge Octavio. Et je ne vous permets pas de m'adresser la parole. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle quand même pour la soirée. Je me sépare de vos services et j'en suis heureux. Je Très m'étais bien. trompé sur vous. Il faut croire. Vous n'avez finalement que peu d'avenir parmi nous. Peu d'envergure. Hein. Il semblerait, oui. Vous manquez ce qu'on pourrait appeler la force d'esprit. J'ai cru qu'il allait dire une grosse paire de couilles. Si Comme une ça. simple petite adolescente peut vous résister, je ne voudrais pas vous voir en première ligne contre les aberrants, contre la sepsis, contre la corruption de notre société. Donc je pense que j'ai gagné au change. Je refile l'un de mes plus mauvais éléments à un juge de la capitale. Au plaisir de ne plus vous revoir, juge Octavio. Passez une bonne soirée. Et puis je m'en vais. Je dormirai sur mes deux oreilles, moi. J'aurai l'impression d'avoir rempli ma mission. Emmener... aux deux animaux de compagnie. Point de respect pour les hospitaliers. Attends, parce que ça bug chez moi. Ok. Juste comme J'ai pas entendu ça. la dernière phrase, c'est Non, marrant. non, non, c'est pas. J'ai bien entendu la dernière phrase. Manquer de respect à ce point-là au chroniqueur, il a le droit de le faire, lui? Il est bien En placé, théorie. il peut, Non, mais je veux dire, mais... hiérarchiquement, il a aucun droit sur moi, on est d'accord. Il Ah m'a mais juste sur moi non insulté plus, hein. gratuitement. Hein? Hiérarchiquement, il a aucun droit sur toi. Ah T'as non, pas clairement, donné mais ma là, on mission, est de ce que d'accord, j'ai là, il m'a compris. insulté Ouais. gratuitement. Ok. Ça. De ce que j'ai compris, les cultes, ils coopèrent, mais... Je ferme sa gueule, quoi. Vous avez bien fait de pas m'emmener, hein. Vraiment, vous avez bien fait de pas Franchement, non, m'emmener. mais là, je suis pas sûr que tu serais sorti avec nous. Je vous Bah, il prierai de aurait fait vider quoi? vos quartiers Octavio m'aurait maintenant, juge sauvé. Octavio. Avec Comprenez plaisir. bien que je ne peux pas avoir une bouche à nourrir supplémentaire. Je comprends bien. Regarde Octavio en mode À jamais.
Je vais pas réagir, tu vois, mais je suis un peu ça. étonné, mais en même temps, je veux pas le, je veux pas il y en a réagir. Pas pour voir. C'est tout contre fou, il se bat. C'est ça, en fait, je veux pas partir fâché. Je veux pas partir fâché. Voilà. En fait, il est tellement content de se barrer, au là. Non, en fait, ça reste hiérarchiquement, ça reste un supérieur. Il a un grade plus élevé que moi, donc moi, je suis un personnage qui est plus militaire, donc je peux pas me permettre. Et puis, il peut dire ce qu'il veut. Si j'étais vraiment un pantoufleur à tout ça, on me réclamerait pas la justicienne. Hein. Donc, oui, on est d'accord. Pour ça, j'allais dire. C'est ça. Donc, en fait, au moment où on va sortir, je fais. T'es corrompu comme lui. Je vais les quitter. Hein. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de corrompu. Je pense que c'est quelqu'un de blessé dans son orgueil. Ah, probablement. Visiblement, il voulait. C'était un échange de services qu'il réclamait. Ça n'avait pas l'air d'être très, disons, moral. Pas l'impression que c'est une justice qu'il rendait pour le bien du peuple, mais juste une justice qui était personnelle. Tu as vu comment ça se passe à Justicienne, hein. J'ai l'impression que le mot justice... J'ai vu comment toi tu agissais. Et ça me suffit pour avoir un exemple de ce que c'est qu'un juge. Maintenant, si les autres ont envie de faire différemment... Toi, tu fais honneur au juge. Je suis l'impression que tu honores plus le culte que n'importe lequel d'entre eux. Je suis pas là. Je prends conscience. Bah si, on est sorti là, on est allé dehors. Ouais, vous êtes sorti, vous êtes sur le chemin pour aller au bar. Ouais, bah on va raconter ça au bar, quoi. Voilà. Mais quel con ! Je vais chuchoter Lily, c'est fait virer. Alors t'es au bar ou t'es... Oui, je suis au bar, moi. Oui, je suis au bar pour les... Bah non, parce que je doute qu'en dessous, ils vont pas me rejoindre, donc... Si on te rejoint, avant de partir, un petit carton... En cadeau de départ. Allez, vas-y, un petit peu de gasoil là. On en garde juste assez pour partout. Ah, Lily. C'est. Assez mal passé, mais c'est fini. Vous l'avez fait sa fête à ce con ? Non. Alors, celui il a une réputation quand même, il est débile, hein, apparemment. Je regarde Karl, je fais. Je crois que Octavio n'aurait pas trop voulu qu'on intervienne et. À lui de régler cette affaire, mais. Et vous enfin, en tout cas, ce commissaire a été sombre odieux. Ce commissaire a été vraiment odieux. Avec je lui. Pense que Octavio n'a pas perdu au change hein, en allant à Justicienne. C'est vrai. Si vous voulez, avant de partir, on croise dans une ruelle, on le défonce et on s'en va. Voyons, c'est un commissaire. Non, je préfère l'idée de gravir les échelons et de revenir plus gradé que lui pour le mettre sous mes ordres. Voilà, qui est beaucoup plus sage comme décision. Tu vois, Lily. Et beaucoup plus long, surtout. Hein. Vive la frustration. Tu sais, hein. Peut-être, mais c'est la voie de la justice. C'est ça. Et la justice est très lente. La justice est lente, c'est vrai, parfois. Des fois, elle est un peu expéditive aussi, Octavio. Des fois, elle est rapide, ça, c'est moi qui essaye de moderniser un peu les rouages, tu vois. C'est... Bon, vous avez un coup de graisse là et des galettes d'insectes. Hein. Ça vous avait manqué, ça. Ça vous a presque manqué. Tu sais ce à quoi j'ai pris goût. À Brigitte. La viande de Gendos. Quand t'as failli essayer de te manger, t'as un goût particulier. J'ai pas en train de me faire la même réflexion, Karl. On fout encore ici, en fait. Et Karl, il faut qu'on se contente de ce qu'on a. Hein. Pas la peine de réclamer plus. Je me contentais de ce que j'avais, je serais pas monté aussi haut, moi. Et je serais en train de mourir dans une ruelle, bouffé par les vers. Si tu travaillais avec l'égalité, tu n'aurais pas eu à faire tout ce que t'as fait. On fait ce pourquoi on est bon. Ayark. Voilà. Je suis sûr que tu as plein de talents, mais que tu ne les vois pas parce que tu les gâches. Du coup, je m'excuse. Du coup, je ne pourrai pas vous fournir la seconde partie de la solde dont on était censé apercevoir. Alors, Octavio, on était tous ensemble pour cette mission. Voilà. On a vu comment elle s'est passée. C'est tout à fait agi en honnête homme. Je ne sais pas pourquoi. On devrait se plaindre de quoi que ce soit. À présent, on a quand même été payé en partie. Oui, en partie. Et à présent que cette mission est terminée, voilà, moi, je ne sais pas vous, mais je vais partir sur Justicienne. Je vais devoir y rester. C'est vrai qu'on s'est bien amusé. Pour ma part, je ne sais pas d'ailleurs, hors RP, je ne sais pas si je suis censé rester au même endroit ou si je dois bouger ou si je suis libre. Alors, en tant que familancier, tu dois trouver une occupation. Sinon, on t'en va au fond. Voilà, bah écoute. Donc pour l'instant, t'es entre deux eaux, quoi. Peut-être que
tu auras plus de débouchés sur Justicienne. J'ai l'impression qu'il y a plus de besoins là-bas que dans cette ville. Il est vrai que justicier n'a pas d'opportunité. C'est intéressant. Ce n'est pas que j'ai peur de me retrouver au front à combattre les abominations, mais je préférerais. Comment dire. Je pense que je peux faire mieux qu'être un simple soldat Alors, exécutant. je ne voudrais pas m'avancer, mais peut-être que, enfin, j'ai donné ton nom à mon supérieur, à Justicienne, au juge Vigmar. Peut-être pourra-t-il t'écrire une recommandation. Après tout, tu m'as aidé à mener à bien une mission d'importance, hein, ce sont ses mots. Je pense que ce ne serait qu'un petit service qu'il pourrait te rendre. Si c'est ton souhait. Bah, effectivement, alors de toute façon, je pense que effectivement, Justicienne me permettra peut-être de nouer plus de liens dans au sein de l'hôpital. C'est vrai qu'ici, déjà, il n'y a qu'un seul hôpital. Voilà. Les personnes ici sont très sympathiques, très agréables, très professionnelles, mais il est vrai que c'est petit. Hein. Une fois qu'on a côtoyé Justicienne, on se dit que. Il y a plus d'opportunités là-bas, on a plus besoin de moi aussi, je pense. Donc, je vais vous accompagner à Justicienne. Parfait. Et toi, Lily, Je suis ravi. Et toi, Lily, on te laisse ici, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous survivrez pas 2 mois sans moi là-bas. Ben, on peut toujours survivre un mois et Vous demi, avez et puis tu réussi me à vous rejoins faire après? surprendre par un petit garçon et à vous faire maltraiter par une jeune fille de 17 ans. Vous pensez vraiment que vous allez vous en sortir sans moi? Maltraité. Elle ne Au-delà de m'a pas ça, maltraité. thématiquement, il y a plus d'hommes à Justicienne. Et ça. C'est la première fois que je t'entends dire le mot mathématique. Mathématiques, c'est quand tu additionnes les sous, l'argent. Ça compte. C'est à peu près ça. Ben voilà. Moi, Ben je moi je. regarde ailleurs en mode. Et toi, Faudra que Yark? je t'apprenne. Les... Voilà. C'est ça que tu veux, Lily? Je Qu'est-ce que peux je te veux? donner J'ai pas des cours, entendu. mais c'est compliqué. À te donner le Je peux cours, oui, t'apprendre. Je ça peux t'apprendre les j'adore. biches, je peux t'apprendre le binaire. D'accord. Et toi, Et Yark, moi, du je vais coup? t'apprendre le binôme, si tu veux, en échange. Ouais, moi j'ai été appelé à. Comme je vous l'ai dit, j'ai été appelé à Justicienne. Donc Je peut-être. suis censé. Je suis censé travailler maintenant pour le serveur central. Bah écoutez, J'espère juste qu'avec toutes les bêtises qui s'est passé, ils vont pas me refuser là-bas. Hein. Alors, je suis sûr que tu as laissé forte impression. Hein. Peut-être Faut mieux se devrais-tu leur faire dire Ouais, je que. sais, je suis de la bombe. Je Il faut préférerais mieux se être faire surveillé connaître. par toi que par le petit machin. Un Et que petit voilà une bonne idée, monsieur le juge. Mais peut-être que tu as des amis bien placés. Je regarde Octavio. À présent, tu connais un juge de haute renommée. Bien sûr, mon. Un Enfin, sourire. quand j'ai fait l'offre à Karl, c'est une offre qui est valable pour tout le monde en dehors de Lydie. Je ne vois pas le juge Wigmar faire une recommandation pour que Lily achète les putes, quoi. Voyons. Je suis pas sûr que On Lily ce connaît du soit une juge. recommandation qu'elle Vous recherche. êtes Mais bien évidemment, je peux demander à mon supérieur une petite recommandation pour toi, bien évidemment. Je vous propose, moi je vais vous laisser là. Je vais aller faire. Je vais aller dire au revoir à plusieurs personnes que je connais à Arme, leur annoncer mon départ. Et si vous le souhaitez, nous pouvons faire le chemin pour Justicienne demain matin. Bien. Ça me paraît Dans ce bien. cas, je vais Encore aussi le matin? faire Ah oui, tu mes pourras emplois dans dormir mon là-bas comme alcôve. ça. Écoute, Lily, tu Oui. préfères conduire de jour en moto quand on voit la route ou de nuit quand il fait noir et qu'il y a des guendos? Moi je conduis pas. Hein. Ouais, mais tu préfères que le juge dise. En plus, t'as remarqué que il a des petits problèmes de vision quand même. Hein. Ouais, Oui, c'est pas et puis faux, c'est c'est pour ça surtout que qu'il n'y a je pas de deviens phare aveugle. sur vos motos. C'est ça. Oui, En plus. ça peut jouer. Ça aide pas Alors, mal. concrètement, Octavio, il Ça. voit très bien, c'est juste qu'il n'imprime pas les détails. C'est. C'est beaucoup plus trop Ils drôle de s'en dire qu'il voit foutent, ils rien. les défoncent les détails, donc. Un coup de Écoute, marteau. j'ai pas vu beaucoup faire beaucoup dans le détail avec son marteau, moi, perso. N'empêche que je suis à 50% de mes jets de repérage. Avec un C'est dé. vrai. Moi, je suis assez sûr que mes résultats au dé, ils sont pas bons. Alors que vous buvez au bar, tu vois Siegfried passer, Lily, qui te fait un petit signe. Ah, c'est le barman. C'est la pie du.
de la nuée. J'ai déjà oublié Tietchi, hein. Tu vois, moi je suis déjà parti dans ma tête. Hein. C'est ça. Il n'y a plus aucune attache. Fried. Oh, moi enfin, ou c'est un impôt ouais, je crois, Karl, que c'est un impôt. Je pense. Regarde comment il est habillé. Je vais aller le voir, je vais dire au revoir. J'essaie de gratter un Les bandes ne doivent pas être confortables. Il est parti dans la nuée. Cuir, ça. Oh, bah, ça va, ça, je connais. C'est où c'est. De toute façon, il faut que j'aille dire au revoir au barman. Hein. Il était cool. Oui, il avait un fouet avec lui. Quelqu'un descend. Il avait un fouet et une cravache. Sûrement pour dresser des bestioles, les Gendos, toi. Quelqu'un descend avec elle. Lily, tu veux qu'on t'accompagne ou... Bah oui, bien sûr. Oh merde, j'aurais pas dû proposer. Ah, moi, vraiment. Allez, viens, ma petite. Moi, j'y vais pas. Hein. T'es sûr que t'as besoin. Bah, hier qu'elle y va, bah oui, maintenant, c'est un peu comme l'une des nôtres. T'as l'air que... surprend des fois. Hein. Non, ah, tu vois qu'elle peut être... Ah, quoique intéressante et mystérieuse. Je pourrais peut-être faire une ou deux percs avant de partir. Bah, vous... attendez que je parte, peut-être. Enfin, si vous entrez là-dedans, vous allez vous faire tuer, hein, monsieur le juge. Hein. Mais non. Si elle est pas, ils ont pas réussi. Je vais glisser à Karl, ça m'aidera à peaufiner mon... pour passer pour une ferrailleuse. Un petit clin d'œil en mode je maîtrise ce que je fais. Oui, je suis sûr que tu sais parfaitement ce que tu fais. J'en ai aucun doute. T'sais, je commence à dresser les épaules, à faire des petits mouvements de cou, tout. Oh mon dieu. Alors, on y va? Non, j'en fais peut-être un peu trop. Ouais, ne refais jamais ça. D'accord. Donc vous traversez la cour intérieure, vous soulevez la pique qui cachait l'escalier qui descendait dans les profondeurs de Arm. Ouais, vous le retournez dans ce tunnel humide. Le beau est toujours là. Oui, c'est fade, hein. Même si c'est annué, c'est fade. Bah, paré oui, à l'ambiance de l'épave, c'est fade. J'arrête pas de le dire. Et tu arrives donc dans cette grande salle qui pour toi te paraissait immense mais finalement est assez petite. Tu as Siegfried en train d'asséquer quelques godets en métal. J'ai cru. Moi aussi. Il l'a fait exprès. Bien sûr qu'il l'a fait exprès. Même pas. Regardez son sourire. C'est le sourire de l'homme coupable mais qui est fier d'être coupable. Oh Lily hein. Bah alors, t'es revenu de la capitale? Bah alors, bah oui, beau gosse. Ouais. Comme tu le vois. Il te met un petit shoot de distillé devant toi. Hey, je connais pas ta copine. Bon, alors, elle elle était masquée la dernière fois. Ah, c'est peut-être pour ça, oui. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, un moment terrible, mon grand, un moment terrible. Lili. Parle à ta copine. Oh, tu vas pas être deux. J'éclate de rire quand je vois la... C'est genre la jalousie et la déception de Lily quand on s'intéresse pas à elle, tu sais. Moi, je ne suis pas le centre du monde. Moi. Je vous en mets un ou pas? Oui, tu lui en mets un. Je regarde Lily. Un double. Un double, tu sais, je regarde Lily genre en mode... c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse, tu sais. C'est bien, c'est bien. Chut, un petit coup de feu, ça brûle. Allez, on boit ça. Ah, c'est marrant, ça brûle. Mais je pourrais le garder pour plus tard. Ou le prendre en plusieurs fois. Ah non, faut peut-être. Faut shooter. Et retourne vert. Eh ben, un vôtre. Ouais. Vas-y, mon lapin. Oh là là, le premier. Donc petit jeu de résistance quand même. Hein? Un petit jeu de résistance, hein? Oui, oui. L'eau. Il y a pas ici, hein? Ah non, l'eau, et en plus je peux te le dire, l'eau ça aide pas. Ce qui marche bien, c'est la brûlure. Allez. Ouais, faut prendre un petit bourbon là. Bon. Oui, tu vas prendre un bourbon. Il sort une petite boîte, il ouvre. Tenez, un petit bourgeon. Non, j'ai plus de gorge. Si, ça va aller, ça va aller. Non, je vous jure. On sent beaucoup mieux, il t'entend, hein, Didi. Ah, bah, écoute, c'est ça, c'est gentil, hein. Je prends comme un cadeau d'adieu. Hein. Tu veux pas encore dire, tu partais. Non, mais il m'a pas laissé lui dire, donc. Bon, pendant que. Cadeau d'adieu, il a pas réagi quand tu lui as dit cadeau d'adieu.
Oui. Alors, qu'est-ce que tu deviens? T'as quoi comme projet? Ah, tu parles à qui, là? J'adore. J'attends que ta copine digère pour m'intéresser à elle. Oh, bah écoute, on risque de partir avant. Hein. Encore 2 minutes. Deux minutes. Malheureusement, je suis venu vous faire à tous des bisous, je vais partir. Il va partir, je connais qui va être content. Hein. C'est vrai? Bah écoute, Julius, à mon avis, va vouloir te voir avant que tu partes. Non, ça va, hein, ça passe nickel. Tu penses que ton corps s'habitue à la distillat? Pourquoi? Tu penses qu'il va me faire un bisou? Conduis en feu! Je sais pas si on pourrait appeler ça un bisou, hein, disons que. Et il pointe derrière toi, regarde derrière toi. Et tu vois l'autre pie hein, qui avait dégommé le mec dans le salon en train de passer en petite culotte sale. Le gun derrière. Pas me dire qu'elle rapporte beaucoup, elle. Toi, tu rapportais. Mmh. Eh oui, c'est sûr, mais bon, qu'est-ce que tu veux, les temps changent. Je crois que. On a tous envie, à un moment donné, en tant que pie, de se mettre à voler. Prendre son envol. Et là, je mets un énorme coup de coude à Lily. Eh, ma copine, c'est une célébrité. Je lui sers un deuxième. Et il sert un deuxième verre à Octet. Enfin, à Ayark. Je te l'avais dit à Ayark que j'étais la meilleure. Eh, mais trop. Un deuxième. Un deuxième. je regarde Lily avec un sourire, t'sais. Ah oui. Le deuxième est toujours plus vénère que le premier, oui. Voilà. J'ai de résistance, hein, toujours. Bon, c'est pas la même chose. Ça fait pas la même chose, mais c'est dur. Ça, c'est le moins 1 sur le jet. Et tu as pris ta brûlure ou tu l'as pas pris? Ah non. Non, par contre, ça, je peux pas. À cause de Carl. Bon, allez, encore un ou deux verres et tu l'as pris. Non, mais Carl, ce que tu sais pas, c'est que Carl, il m'a parlé des heures et des heures des effets de la brûlure. Tu peux plus après. Ah, mais ça, je me doute que Carl, il a parlé des heures et des heures, tu n'as rien fait d'autre, hein. Ça, je m'en doute, hein. T'inquiète pas. C'est un peu comme si c'était Orange Mécanique, si tu veux. Dès que j'entends le mot brûlure, j'ai des images d'horreur dans la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention. Ah bah là, oui. Ah putain, la prévention est hardcore hein, chez toi. Bon, tu restes 2 secondes, je vais prévenir Julius que tu veux le voir. Ça marche. Substance dans les petits papiers du... Tu me fais un deuxième jeu de résistance. Les petits papiers du boss. Ah oui, putain, merde, vrai. Avec moins 1 en malus. Oh, gentil. Bon, t'as fait 4, hein. Tu devrais t'en sortir, hein, le premier. Ah non! Ouh! Vraiment, tu lui parles? Elle est plus là. Elle est par terre. Tu vas voir, ça va pas être la même. Hein. Tu lui as parlé, tu t'es retourné, et il y a eu du vide à sa place. Elle est à genoux par terre. Déjà? Je suis à genoux, la tête contre les. le bar. Ah oui, non, Ah bah, on s'est éclaté avec toi, hein. Au moment où elle me secoue, t'es en train de prier. Je me relève. Et tu vois que quand je me relève, appuie sur le bar. Ouais, reste là, bouge pas. Si je lui mets la main pour pas qu'elle bascule. Attends, c'est juste parce que c'est plus facile. La gravité est plus facile ici. Ah, on est bien comme ça. Je sens que je glisse. Ça m'emporte vers l'arrière. Non, reste là. Tu sais, je m'agrippe à son épaule. Il faut que je trouve un balai pour la tenir droite, hein, c'est pas possible. Oh, tu peux la mettre à une table, hein, sinon il y a des tables, hein. Non, je veux l'avoir à côté de moi, hein. Je la laisse toute seule. Il y a Siegfried qui revient. Bon, Lily, il y a Julius qui veut te voir. Il peut pas venir, j'ai ma copine qui a des petits problèmes pour se déplacer. J'ai une tête à aller dire au boss que toi, tu veux le recevoir et pas lui. Ah bah c'est moi qui vais me faire recevoir, hein. Ça c'est surtout ça. Hein. Non, je crois que non, tu vas te débrouiller toute seule sur ce coup-là, Lily. Hein. Oh bah dis donc, ça fait plaisir, merci. Hein. Où est passé l'amitié La franche camaraderie et les heures de sexe. Ouais. Hein. Ouais. Elle s'arrête à la porte du bureau de Julius. Enfin, de la piole, quoi. Mmh. Oui, le bureau, oui. Il n'y avait pas de bureau dedans. On discute. Oh, t'inquiète pas, je vais veiller sur ta copine. Il a fait des entretiens d'embauche dans ce bureau. Attends, quand il dit t'inquiète pas, je peux lui faire confiance avec l'expérience ou pas? Regarde, sous le bar. Ouais. Tu vois cette rampe-là, en zinc? Mmh. Hein, tu lui attaches la ceinture dessus. Elle bougera plus. Mmh. Tu la sangles au bar. Oui. Oui. C'est on dirait. Vous avez remarqué qu'il y a une gouttière en dessous. Il y a de l'eau qui passe. Elle est un peu usée. Tu sais, on dirait les chiens que t'abandonnes au bord de l'autoroute, là, tu sais. Le regard, là, c'était comme ça. Non.
Tu vas revenir, hein, tu vas revenir. Tu reviens? Ah, je sais pas si je vais revenir, mais on va voir. Hein. Vous me détacherez, hein. Mais après, est-ce que je sais si lui il est digne de confiance? Parce que depuis le temps, oui, je veux oui, savoir. Oui, bon, oui, bah, je vais la laisser. Hein. Oui, j'avoue que. Allez, j'y vais. Alors. D'accord. Tu vas me faire un petit jet avant de opter Ayak, un petit jet de volonté. Psyché, ta volonté, toi, ou ta foi? Quoi? Foi. Non, non. Volonté, tu l'as? Psyché, volonté. Non, j'ai foi. Ta foi? Alors, on va dire. Oui, vas-y, fais foi. Je respecte tes croyances. Ouais, vas-y. Fais un petit jet de foi. Plutôt pas dégueu, foi. Avec un malus, d'accord. C'est pas mal. J'ai enlevé les deux derniers. D'accord. Ok. Donc tu passes dans le petit couloir derrière voilà, le rideau et tu vois Julius, que je vais te présenter, qui est allongé sur son lit tranquillement en train de se faire les ongles. Avec un poignard. C'est ça. Mais attends, mais c'est... chanteur d'Indochine, le machin. Hey, je l'ai trouvé en urgence, celui-là. C'était pas prévu. Hein. Ma morale, tous les chicales. On dirait qu'il a enfin vieilli. C'est bon, je peux plus prendre au sérieux maintenant. Par contre, celle-là, je la coupe pas. Hein, au montage. Donc. Bon, alors, c'est vrai ce qu'on me raconte, Lily? Ouais, tu veux te barrer? Je rentre dans la pièce et tu sais, je suis pas nonchalante, mais je le regarde pas vraiment, je fais le tour de la pièce, je regarde les petits objets, tu sais, sans le regarder, et je lui parle sans le regarder. Viens t'asseoir là, prends le tabouret, viens t'asseoir en face de moi, je sais pas te manger. T'aimais bien quand je te mangeais à une époque. À l'époque où j'étais pas encore majeur. Ouais, installe-toi, comme ça tu veux te parler. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux? Cool, j'avais toujours dit qu'une fille cool. Comme moi, ça restait jamais en place, de toute façon. Vous savez, c'est... hein. Ouais, c'est con, hein. J'avais des projets pour toi. Qu'est-ce j'avais des projets pour toi, j'avais des projets pour la nuée. Et ça me fout un petit peu en l'air, mais en même temps, je vais pas te laisser... je vais pas t'emprisonner. T'es libre, hein. Tu sais comment ça fonctionne chez nous. Ouais, je sais. Disons que j'avais. Je vois mal Siegfried me remplacer comme Corneille. Tu penses? Bon, quand même. Disons que j'avais. Jusqu'à ce soir, j'avais d'autres projets pour toi. C'est dommage. Donc tu sais, moi, le long terme. Hein, Oui. Pas trop loin. Bah écoute, j'ai pas non plus. Tergiversé longtemps. Ok, tu te barres. Je te demande juste de faire gaffe à toi, justicienne. Hein. On n'est pas au même niveau ici. Oui, c'est justement ça que je voulais voir. C'était voir comment ça fonctionne, comment on peut se dépatouiller là-bas et voir ce qu'on peut en tirer de toute façon. Tu veux quoi comme information? Oh, je pense qu'avec ton expérience, si tu as 2-3 conseils pour que je m'en sorte vivante et que je puisse revenir un jour. En ayant des infos ou des moyens d'améliorer ce qui se passe ici, c'est pas plus mal. Bah écoute, je t'avoue que le premier problème, c'est que tu vas te barrer et avoir une perte de revenus. Hein. Je peux te donner un nom si tu veux. Tu peux me donner un Un nom. Un nom. Une petite routine bien mignonne. Ouais. Qui est déjà bien tombée dans la drogue. Si on pousse un petit peu, je te fais confiance, je te connais. Ouais. Je sais comment t'es capable de pervertir même les âmes les plus innocentes. Je pense que tu peux en faire quelque chose et crois-moi, tu vas pas être déçu. Elle s'appelle Elena. D'accord. Ça me paraît pas fille mal. De bonne famille, donc ça va plaire aux clients. Ouais, on va dire que ça supprime une moitié des pertes que je vais avoir. Oh, crois-moi. Bon, c'est sûr, personne n'est à mon niveau. Mais elle est très jeune. Elle m'a l'air très accro. Elle a des gros problèmes avec ses parents. En gros, la porte est ouverte, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle nous rejoigne. Bah écoute, c'est intéressant.
Ouais, mais ça te remplacera pas. Moi, ce que je te propose, c'est un petit marché. Ah. Écoute, sympa le renseignement sur ton Elena. Je le note. Hein. Ça fera déjà ça de moins. Je te cache pas que ton départ, ça va nous perdre. On va perdre des clients. On va perdre certaines formes d'influence qu'on avait. Parce qu'on va pas se mentir. Hein. T'étais quand même la mieux gaulée de toutes les piques qu'on avait. Tu de la bombe. Donc, je te propose que sur un an, tu me verses 25% d'ensemble des bénéfices que tu feras sur Justicienne. J'ai toujours dit que t'avais une sacrée paire de couilles, hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu savais jamais aussi le rendre. Bah, écoute, 25% sur un an. Mais je gagne le courant, je gagne le courant en contrepartie parce qu'un marché généralement c'est en deux sens, tu sais. Bah tu gagnes ta liberté. Ma liberté? Non, ma liberté je l'ai. Disons que le problème qui se pose, hein, c'est que je suis en relation, on va dire, avec la nuée de justicienne. On pourrait avoir certaines informations ou certains, on va dire, intérêts communs. Et moi, je dois rentabiliser un petit peu. Je vais avoir une perte de mon niveau de vie. Je vais avoir une perte d'influence dans la ville. Je te signale que tu couchais quand même avec pas mal de juges. Et que j'ai pas demandé à... je n'avais pas compris. Et je vais pas demander à l'autre cinglé, Hogan, Mamagun, de coucher avec eux. Donc il va falloir que je trouve une autre fille. Une autre fille, ça s'achète. Prends-moi le tuyau que je t'ai donné, il vaut largement ça. Largement. Non. Écoute, hein, que je peux faire un petit effort, c'est en fait, on va dire 15%. J'irai pas plus loin. Va 15% falloir. De tes revenus sur un an. Va falloir. Ou tu me trouves un truc avec la nuée de justicienne. Ou je trouve un truc avec la nuée de justicienne. Ah, tu me trouves quelque chose qui soit rentable pour nous. Oh bah... Ça me paraît tout de suite un peu plus intelligent comme proposition. Bah écoute, hein. Tu me trouves un marché, quelque chose de juteux. Quelque chose qui me permettrait de comprendre la fidélité que tu as pour notre nuée et l'intérêt que tu nous portes. Il me reste la drogue d'Ayark. Est-ce le bourgeon d'Ayark, de le bourgeon de là-bas. C'est ça. Ouais. Celui du matin qu'elle m'avait fait cacher. Bah, je vais lui faire goûter ça. Puis il verra bien si j'ai rien à lui proposer. C'est bien. Il vient de là-bas. Tu lui passes le bourgeon? Ouais, je passe. Et je lui dis, je peux toujours essayer de négocier ça. Il enlève le dessus. La petite attache qu'il y a dessus. Il prend une aiguille. Il le perce par-dessous. Il le met au niveau des lèvres. Et là, ah ouais, quand même. Il n'est pas mauvais. Bah écoute, tu le sais bien, moi je déconne pas. Je te donne un an. Ça te va? C'est une petite parole, je suis une corneille de parole. Ça me partir va. Là-dessus? Ouais. Ça me va. Essayez de pas vous faire tuer pendant que je suis pas là. Écoute, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais que les dettes, on les retransmet d'une corneille à un autre. Oui, mais bon, ce serait un petit peu dommage. On a notre juge le plus compatissant qui risque de partir, qui s'est fait muter. Ferez attention au commissaire. On en a d'autres, j'en ai d'autres, dans ma bouche, je t'inquiète pas. Je sais, j'étais là. Moi aussi. Allez, reprends ta liberté, prends ton envol. Prenez soin de vous, hein. Et laisse-moi. Et ferme les pas yeux pour et Elena, tu sens que s'abandonner. Il va se masturber, oui, surtout. Sûrement, peut-être. Donc tu ressors de la petite alcôve, hein, dans laquelle ouais. Il est. Premier effet, je vais jeter un coup d'œil à Ayark. Tu vois, en fait, Ayark, qui est toujours attaché au bar. Ouais. Il y a un autre verre vide devant elle. Ouais. A priori, elle a dû prendre un autre verre. Jusque-là, ça va. Voilà. Et en fait, elle est inanimée.
Elle pend attachée par sa ceinture à la... C'est ça, exactement. À la rampe du bar, elle a les bras en arrière et t'entends. Fallait que je parte comme ça. Attends, t'as pas eu le vomito sur l'épaule, hein? Pas encore. Je vais la détacher, hein, et puis je vais essayer de la porter autant que je peux, sachant qu'elle sera certainement plus longue que moi. Y a Siegfried qui te regarde, elle est intenable, hein. Limite des propos de cochonne, hein, quand même, hein. C'est vrai? Elle m'a tenu. Oh, arrête, tu fais plaisir. Ah oui, bah écoute, hein. Je lui ai tout appris. Bah écoute, elle m'a parlé d'un gros décélérateur. Je sais pas ce qu'elle veut faire avec, mais à mon avis, c'est pas très joli, hein. C'était mal à l'aise, hein, ce genre de propos. Oh, la grande elle, cheminée, franchement, elle fume. Elle m'a parlé d'un truc mollusque. Ah, le petit mollusque. Et après, je sais pas, un mou du slip ou un truc comme ça, mais bon, j'ai entendu D'accord, mollusque. Hein. J'essaie de régler ça. Allez, je lui fais un petit bisou. Oh, écoute, hein, je la charge toujours mon machin. bienvenue. Prend sous ton aile. Elle ne marche pas, elle traîne des pieds. Hein. Ouais, je me doute, mais je vais quand même lui poser des questions sur Karl, sur le chemin. Tu t'obstines pour rien. C'est fini? Et entre toi et Karl, c'est fini aussi ou ça en est où? Non, ça c'est fini. Mais Karl et toi? Quand vous étiez Oh, jeune, vous avez Lily. forcément joué Ah, le chant attends. de docteur avec lui. Comment il a appris C'est que vous très étiez de important. docteur? Faut que je pisse. Au moment où tu as dit ça, c'est trop Tu peux tard. attendre d'être en haut. Pense à Karl, hein, il pourra. C'était trop tard. Ah. Je me tais, je repose la tête contre elle. Ah, mieux. Il fallait que je parte comme ça. Ah, tu ne seras pas oublié, hein. Ah, Elle non plus, hein. je les voyais pas comme ça, T'aimes les bien ton chroniqueurs, dans ce jeu. parfum. T'as même un T'aimes petit peu bien ton d'appréhension, parfum, Lily, Lily. hein. Tu dis que elle s'est fait dessus, est-ce que ça risque des courts-circuits? Ah oui, c'est vrai, pas faux. Non mais toi n'importe quoi, Lily, elle se pose des questions. Je suis pas Elle y robot. connaît pas grand chose, elle se pose des questions. Elle sait que c'est pas loin de la matraque télescopique, elle se pose des questions. On va se dépêcher de remonter, hein. Je vais appeler à l'aide, hein. Voilà, donc tu la Allez, traînes par les allez. épaules, donc les talons frappent contre la marche en montant. D'ailleurs, vous êtes vous bavardez dans la cour extérieure et vous entendez boum, 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 boum. Et vous voyez Coucou. le dos de Lily traîne à Yark. Un petit coup de main? Boum, boum, Qu'est-ce que tu lui as boum. fait? Moi? Alors moi, absolument rien. Et Et donc, pour le coup, c'est vrai, hein. alors a priori, elle a eu très peur parce qu'elle s'est pissée dessus. Qu'est-ce que tu lui as fait voir? Mais rien. Moi, rien. Je lui ai rien payé. Je lui ai rien fait payer. Elle toute seule comme une grand-mère. Personne va te croire, c'est une évidence. Ben ouais, mais pourtant Là, c'est vrai. ça va être difficile de voir. Ben pourtant c'est vrai. Et je vous dis ça avec force, avec le forte conviction. Il y a des zéro car accusateurs, tu sais qui parlent. Je vous rappelle que j'ai, je sais plus, je crois que j'ai 4 ans de tromperie. Hein. C'est même pas de la tromperie, c'est de l'honnêteté. J'ai combien en C'est honnêteté? ça. Zéro. Je t'ai même pas fait, je te fais même pas de jet. Il a fait un jet de tromperie, le mec. Il est tellement habitué à mentir que même quand il dit la C'est ça, vérité, un jet de on me croit tromperie. plus quand je mens que quand je dis la vérité, quoi. Bon, est-ce que vous voulez la bonne nouvelle? Ouais. Eh ben, Ouais. je peux partir. Mais tu pouvais pas avant? Je crois que t'étais libre. Bah oui, c'est pas censé être libre, les apathiques. Mais c'est, je crois que la liberté, c'est un peu une histoire de conception, hein, dans ce genre de choses. Ouais, c'est ce qu'on veut. Ah mais c'est ce que je me suis dit aussi quand il m'a sorti. Ouais machin, tu me files ton fric. De quoi, ouais? Tiens, je suis vachement libre en Non, parce fait. qu'il a commencé, il a commencé à me menacer comme quoi il connaissait du monde à justicienne, etc. quoi. Il savait craindre pour moi. Mais bon, c'est ce que je te dis, je me suis pas assez démonté. Ah, les patrons, hein, tous les mêmes. Ouais, hein. Regarde, Octavio, t'as dû voir le sien. Moi, Lui aussi, il je s'est vais fait peut-être aller vendre. voir mon chef à hospital, moi, pour. Oui? Voilà. Pour lui signaler mon désir d'aller justicienne. Ta désertion? Attendez, il Bah, faut que j'aille déserte à pas. la cave. Il faut que j'aille à la cave. Tu es sûr que tu veux pas aller à l'hospital? Pourquoi il veut aller à la cave? Je comprends pas. Alors, ils en viennent de la cave et on la laisse pas y retourner. Ah non, interdiction pour toi la cave. Hein. Et vous passez la Absolument. nuit où? Voilà, on n'a pas Oui, quand c'est même quand même un un endroit endroit où où on loger voit ces chacun? histoires. À toi la cave Bah, bien toi sûr. non, t'en as plus. Ah, parce que j'étais Ah, je suis sûr qu'il y a une place pour toi. Mais Ah, j'étais à la bah caserne. toi t'étais à la caserne à la base, On est hein. obligé de J'attendais dormir à la pour. caserne, on n'a pas un petit pied-à-terre, un petit truc chacun? Ah non, t'étais nourri et logé à la caserne.
Putain, c'est la tristitude, quoi. Allez, c'est ouais, ça. J'avoue, ouais. D'ailleurs, t'as ton petit carton. T'as ton petit carton sur la moto. Mais je peux. Et quoi, il me laisse pas crécher là jusqu'à demain, quand même? Ah oui, il t'a prévenu en sortant, prenez vos affaires. Putain, le bâtard. Le bâtard. Après, vous pouvez vous prendre une chambre, hein. Ouais, toi, au moins, il t'a pas demandé 15% de talent. Avec une raclure de bidet. Voilà. Après, non, bon, mais... Lily connaît des chambres qui sont pas très chères, hein. Ouais. Après, il faut pas être super gardant, mais ça reste. J'ai pas des amis ou des collègues qui pourraient m'héberger pour une nuit, un truc comme ça? Alors, des bah, collègues, des amis, ils sont dans la caserne. Ici, des amis, Octavio, sont... Octavio, il va dormir avec moi. Ah bah voilà. Tu dors où? Je te conseille de lui faire tourner le dos, hein, parce que... Bah, je dors à l'alcôve. Bon, bah d'accord, hein. Merci. Que j'ai... Je peux lui faire leur dire que t'es un ami. Enfin, je vais leur dire que t'es un ami. Je m'attendais plus à Carl, mais oui, ça peut aussi par marcher. Par contre, il faut qu'on parle, alors... sur la pisse. Il y a un clodo qui est devenu... Déchiré à fond. Bon, bah écoute, je vais t'aider à y aller, hein, à l'alcôve. Attends. Je le pousse légèrement. Lily, t'es une fille super, tu sais. Je la serre, tu sais, en pleurant. Je sais, je suis de la bombe. Ça c'est parce qu'elle était toi dans le... Il aurait jamais dû te virer comme elle le prend. Oui, tu sais, ce genre de choses, moi par contre... Ouais, je sais. C'est beau, une amitié. Tu es une fille forte, toi. Dans l'acier. Ouais. Ouais. T'aurais pu être chroniqueuse, tu sais. T'aurais ouais, être chroniqueuse. Non, ça me va très bien. Je vais redire des mots à mon patron, et puis c'est toi qui vas embaucher. Par contre, si tu veux dire des choses très gentilles, tu peux aller voir Carl. Monsieur Octavio, tu t'es fait virer, mais tu peux devenir chroniqueur. On va plus interagir avec Techni, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Oui, oui, tout le monde Carl, chroniqueur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, Carl, il va très bien, c'est pas fait virer. Il est médecin, c'est con. Pourquoi c'est con? C'est con, il peut pas être chroniqueur et médecin. Bah non. Je m'occupe des gens, pas des machines. Hein. C'est ça, alors que moi je peux très bien être un juge chroniqueur. Carl, ça lui ferait du bien justement si tu t'occupais d'elle. Voilà, ah, je crois que ça parle aujourd'hui. La brûlure que t'as pris, ça t'a perturbé, Lily. Pardon? What? Comment? Hein? Mais quoi? Ah si, le truc que t'as aspiré là. T'as pas mis bien, tu devrais arrêter. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai bu un verre. Tu confonds pas avec un client, Ararc? Tu confonds avec un client, non? Oui. Je m'en rappelle plus. J'y suis pris de la drogue. Ah, les effets, quoi. Tu as un doute. J'arrête pas d'effets, de mettre mauvais. C'est vrai, j'ai un doute en plus, quoi. Tu vois, les effets secondaires. Tu sais même plus. La drogue et ses ravages. Et voilà. Ça finit toujours comme ça. Allez, venez. Bah ouais, je l'emmène à l'alcôve. On va dormir. Donc bon, je vous fais une petite ellipse à part si vous voulez faire quelque chose de précis dans la... Ah moi je veux tout jouer dans l'alcôve. Hein. Bah c'est chiant, hein. Tout. Ça peut être long, hein. Ouais, trop de bruit. Donc vous arrivez à passer une nuit, on va dire, plus ou moins correcte. Et donc vous vous retrouvez tous devant... la porte de armes. Pour le départ, vous avez retrouvé vos motos. Tu n'as pas eu le temps de laver tes affaires, Lee, donc tu en palis à Yark. Donc tu as trouvé un autre pantalon. Hein. Et bon, c'est un peu dur le matin, là. Hein. Oui, tous les matins. Bonjour. Toujours les petites marchandes à la sortie de armes qui vendent des petits paniers. Si vous voulez en prendre. Oui. Ah, bon, les petites marchandes qui arrivent. Hein. C'est toujours 3 lettres de change, le panier. Même pour l'hospitalier. Elle prend donc. Un rat, tu sais, le mec. toujours avec la légumineuse, la galette d'insectes. Il y a dedans une petite flasque de distillat. Elle est tuberculeuse. Je te fais confiance, mamie, je te fais confiance. Donc tu débourses 3 lettres de change. Oh, et vous voici parti pour Justicienne. Le voyage est laborieux, hein, Yark. Encore. C'est compliqué. Voilà. Ouais, je sais pas si vous arrêtez au godet. Vous arrêtez au godet ou non, ça va. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je l'ai déjà vu assez ce truc. Ouais, hein.
Vous continuez et vous arrivez à Justicienne sans trop de problèmes en début d'après-midi. Ouh, ça fait du bien. Vous êtes moins sur la découverte là, mais vous appréciez de retourner à Justicienne. Carl. Vous arrivez tranquillement à la caserne d'Octavio, vous garez les autos, il resterait peu d'essence dedans. Hein. On va les revendre. À vous de voir. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On en a plus besoin? Je pense pas qu'on en ait besoin. De toute façon, il n'y a plus d'essence donc. Quand même un bijou technologique ce machin. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Je peux vous trouver une combine pour le revendre bien cher au niveau des chroniqueurs. On tire un très bon prix. De la technologie comme ça. C'est pas de l'information, mais ça reste de la technologie. Bon, on peut les mettre dans l'écurie comme la dernière fois pendant un petit moment. On n'est pas aux pièces non plus. Ouais, le temps de trouver on pourra y réfléchir. Donc on les revendra dès que possible, quoi. Oui, on les revendra dès que possible, dès qu'on a trouvé un bon plan, quoi. C'est plutôt ça, ouais. Dès qu'on a le bon plan, paf. Non, mais en fait, c'est pas forcément que les chroniqueurs vont racheter, mais c'est que les chroniqueurs connaissent les ferrailleurs qui rachèteront. Oui, et puis après, ça va dépendre aussi de l'évolution de nos personnages, là, enfin, ce qui va se passer. Ça se trouve, si on n'a pas besoin de voyager, il n'y a pas besoin de les garder. Maintenant, si on nous envoie à je sais pas trop où, on peut peut-être les garder. C'est ça. Ça reste des beaux objets, hein. Ça vaut une blinde, ces machins-là. Un peu, ouais. Donc, vous êtes à Justicienne, à côté de la caserne de Octavio. Où voulez-vous aller ? Bah, vu qu'on est à côté de la caserne, ouais. Je vais peut-être annoncer à mes supérieurs le fait qu'on soit là, et qu'on soit arrivé, et justement demander une petite lettre de recommandation pour Yark et Karl. D'accord. Donc vous rentrez tous dans la caserne. Lily, tu rentres ou pas ? La caserne ? Ouais. Ou tu attends à l'extérieur ? Reste. Dans l'idée, moi je rentre toujours, hein, pour foutre, mettre un petit peu le bazar, mais bon, ça dépend si on me laisse y aller. Là, je pense que on n'en aura pas pour très longtemps, je pense. D'accord. Oui, non. Okay. Elle rentre chez les juges comme les juges rentrent en elle. Alors, vous rentrez dans la caserne, en gros. Celle-ci est un peu plus grande que celle dehors, mais elles se ressemblent tous plus ou moins, hein, avec une palissade, des barbelés, il peut y avoir des juges de faction, un bâtiment administratif et des logements. Rapidement, tu vas au bâtiment administratif pour essayer de voir, tu veux rencontrer juge Vigmar. Vigmar. Ouais. Effectivement, tu le rencontres, il est en train de bavarder avec d'autres juges. Il se retourne. Juge Octavio. Ah, juge Vigmar. Et je m'approche. Oui, tiens la main. Pareil. Bien voilà, comme convenu, je me suis acquitté de ma dernière mission, non sans quelques difficultés. Ma mission et son résultat n'étaient pas au goût de tout le monde, et je pense que vous recevrez très bientôt quelques échos de mon ancien supérieur. Des échos heureux ou malheureux ? Il n'était pas très satisfait de l'application de la loi que j'ai fait respecter. Bah écoute, je m'en dépatouillerai. C'est pas un souci. Si vous avez voulu avec nous, c'est que je pense que vous n'avez rien à faire là-bas. Je partage votre avis. Vous êtes à notre service maintenant. Absolument, avec grand plaisir. Eh bah, ben ça tombe bien. J'ai reçu un ordre. Direct. J'ai reçu un ordre de la ville haute, hein. Un ordre croisé, hein, d'hôpital et du hall de jugement. Je cherche à augmenter nos capacités de contrôle. De quoi ? Des récoltes. Nos capacités de contrôle des récoltes. Aujourd'hui, nous sommes en pleine moisson. Ça vient d'être moissonné. Nous devons contrôler un maximum de grains. Avant l'entrée des cargaisons à Justicienne, je sais que vous l'avez fait. Donc, c'est une mission qui durera pas plus d'une journée. Donc, je vais vous demander de réquisitionner 2 citoyens. Très bien. Bah, écoutez, ça tombe plutôt bien parce que je suis venu en compagnie de mes compagnons de ma dernière mission. Et je voudrais vous présenter Karl, donc, qui est hospitalier.
et qui souhaiterait justement s'établir à Justicienne. Je me suis dit que vu que vous aviez été satisfait de nos performances, que vous pourriez peut-être lui écrire une petite lettre de recommandation. Il pourra Je regarde. nous être Bah utile écoutez. et Je sais pas si une lettre de recommandation d'un juge s'avérait hospital. En tout cas, je sais qu'ils apprécient les personnes volontaires. Ils vous donnent deux lettres. Bah, Effectivement, c'est il y a très bien, marqué j'espère. par ordre. Je lui explique que de toute façon j'ai déjà fait du contrôle de son à armes avec Octavio justement, et il n'y aura pas de problème. Donc, il vous tend deux lettres et deux autres lettres, ce sont les mêmes. Il est écrit dessus par ordre des juges et du spital. Rendez-vous immédiatement au quartier des nourriciers, parcelle 124. Le juge Ox réquisitionne votre aide pour inspecter le grain suite à une très forte demande de certification des récoltes par les nourriciers. Aucun bagage requis. La tâche sera terminée avant la soirée. Rendez-vous avec les autres citoyens réquisitionnés à la porte nord. Il m'en donne combien de ça? T'en donne 4. Deux pour 4. vous et deux pour les personnes que tu trouveras. D'accord, parce que je me vois pas donner ça à Lily en fait, parce que là elle va passer la truc. Le rendez-vous est ici. Alors, je sais pas, vous êtes. Hop, je repasse sur la couche des questions. Vous le voyez? Le quartier des nourriciers, c'est ça. C'est en fait un ensemble de champs qui alimentent Justicienne par ses récoltes. Et on contrôle ici. Donc, il est. Alors, c'est pas très courant à armes, hein, mais à Justicienne, on peut réquisitionner des citoyens pour aider les hospitaliers, pour aider les juges. Donc généralement les juges hospitaliers contrôlent et les autres citoyens réquisitionnés déchargent ou chargent les grains avec les nourriciers. Ben je regarde Ayark et je te dis, tiens, nous avons besoin de bras pour une certaine mission. Peut-être que ce serait justement ton ticket d'entrée pour l'alcôve, hein, si tu rends service. Hospital et au juge, tu serais peut-être bien vu. Regarde surpris. T'aider, Octavio, mais en fait, je suis déjà intégré à l'alcôve Ah, ici. je croyais qu'il te fallait. C'est pas ce que tu m'as dit hier Non, non, soir il n'y a quand pas de t'étais souci. bourré. Ah, disons que Pardon? ça fait. Du coup, je suis surpris. Oui, j'ai pas compris ça hier J'étais un peu soir. curieuse hier soir. Hein. Regarde Karl. Est-ce que j'ai. Je regarde Écoute, Lily. tu as Qu'est-ce que tu suivi m'as Lily. fait? C'est pas J'aurais grave, moi. pas dû. C'est vrai qu'elle est pas là. C'est... Non, c'est... justement, je regarde Karl et puis je fais. Oh bah, Lily. débrouillez-vous. C'est le regard méchant, tu sais. De... Encore elle. Tiens, tu sais pas du coup, Je tiens. sais que c'est bien les soirées entre filles, tout ça et tout, mais. Et vite avec Lily, je pense. Oui, parce que même nous, entre hommes, on se met pas comme ça. Toi, tu parles entre Octavio et Karl, ça doit être rigolo, tiens. On va se marier. Oh, putain. Oh, et cette fois-là, j'ai brûlé toutes ces récoltes. Non, mais après, si tu veux pas nous aider, je peux trouver n'importe qui, hein, c'est pas grave. On te fait bien Non, voir il n'y a par pas de le. souci. Pour l'instant, j'ai pas reçu d'autres missions de mon alcôve. J'ai une question, Aliat. Dans le cas où on trouve de la sepsie dans les cultures et tout, c'est pas des bourgeons, c'est quelque chose de plus. Il va falloir détecter. Alors, ce que vous faisiez, vous, c'est détecter, mais tu sais qu'il y a d'autres équipes de juges et d'hospitaliers qui allaient dans les champs. Donc, si on détectait en fait des graines qui posaient souci, on les détruisait. Après, on allait dans le champ ou dans la ferme qui avait amené ces graines. On cherchait la cause. Et alors, ça pouvait être une infection, on va dire, temporaire, dans le sens, imaginons qu'elle a été contaminée par des bourgeons qui traînaient, etc. Donc, à ce moment-là, la ferme n'est N'est pas pas remise en brûlé. cause. Mais si, effectivement, il y a un champ de sport, etc., là, on pouvait faire intervenir direct les préservistes, hein, ou les D'accord. hygiénistes. Les Mais hygiénistes, hein, pour qu'ils détruisent tout, en fait.
les fruits qui sont récoltés, c'est vraiment dans les champs de sport, c'est pas dans une. Ah non, faut qu'il y ait un champ de sport, faut qu'il y ait... Oui, ouais, voilà. Tu parles des fruits, des bourgeons? Oui, voilà, les bourgeons qui sont Ouais. consommés. Ouais. Ok. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on arrête là. Mmh. Juste avant. C'est le dernier scénario de la saison 1. Hein.